Amsterdam, Emilia marche, les pieds dans une eau montante, témoin silencieux d'une mer qui avance. À Séville, Juan se met à l'abri face à une chaleur accablante. Et dans les montagnes du Vercors, à Autran, Gabi regarde les hivers enneigés devenir un souvenir. Ce soir, vous allez nous rejoindre dans un voyage vers 2050, un voyage où chaque pas façonne le monde de demain. Ensemble, nous allons essayer d'esquisser le prochain chapitre de notre histoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présent en cette soirée du 18 janvier 2024. Comme vous l'avez compris, nous allons voyager ensemble ce soir. Vous allez embarquer direction 2050, mais vous ne serez pas seul. Pour vous conter ce voyage, une spécialiste, que dis-je, une experte du groupe d'experts. Ce sera l'excellente Valérie Masson-Delmotte qui sera à vos côtés. Valérie est paléoclimatologue de métier. Elle est directrice de recherche au sein du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Son influence s'est étendue au niveau international lorsqu'elle a présidé le groupe 1 du GIEC, le fameux groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. La conférence de ce soir va s'articuler en trois parties. Une première avec les étudiantes et étudiantes de maîtrise du parcours système climatique. Vous allez jaser avec eux d'ordre de grandeur. Une deuxième partie pour un voyage programmé vers le futur avec Valérie. Et enfin, un retour en 2024 ou non pour vous permettre un temps d'échange. Nous voulions remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. L'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, avec Pierre et Nathalie. La direction de la culture de l'Université Grenoble-Alpes, avec Hélène et Clémence. Le parc audiovisuel de l'UGA. L'Université Grenoble-Alpes elle-même. La compagnie Janvier & Lips. La fanfare La Bam de Sciences Po. Jamel et ses talents de monteur vidéo. Merci au lycée présent ce soir, le lycée Stendhal de Grenoble et le lycée Vincent d'Indy de Privas. Merci aux professeurs de permettre à tous ces étudiantes et étudiants d'être avec nous ce soir. Et enfin, je voulais remercier tout particulièrement l'ensemble des camarades de notre maîtrise qui ont beaucoup œuvré à cette soirée. Ainsi, je remercie Victoire, Justin, Benoît, Lison, Angèle, Nathan, Lilian, Marco et Simon. Je ne pouvais finir ces remerciements sans penser à celle sans qui rien ne serait possible ce soir. Merci d'être là avec nous, Valérie. Nous allons commencer cette première partie qui est sur des questions d'ordre de grandeur. Si tout fonctionne, j'appelle... Ouais, vous pouvez venir. Alors... prenons juste un moment pour s'intéresser à quelques ordres de grandeur. Vous avez devant vous des cartons bicolores avec une face blanche et l'autre rouge. Normalement, tout le monde en a un. Si c'est pas le cas, dites-le nous, mais ça devrait être correct. À la suite d'une question qui vous sera posée, vous pourrez voter en levant votre bras vers le ciel avec oui avec la face rouge et non avec la face blanche. Je tiens simplement à spécifier que ce jeu n'est en aucun cas là pour juger des connaissances de chacun. Il nous permet d'interagir avec vous et de construire les idées plus construites après. Ensuite, je vous demande aussi de voter quand l'inscription « On vote » est affichée au tableau. On va juste donc commencer ce petit jeu. Et pour voir si vous avez compris, on va essayer une petite question très simple. Pour voter, donc c'est « Oui ». Et blanc, c'est non. Et si vous avez compris, on va essayer ça. Donc, quand il y a marqué « on vote », vous pourrez lever votre bras vers le ciel. OK ? On vote. Majorité ? Rouge. Tout le monde a compris, c'est parfait. Vous pouvez baisser votre carton. Vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent, c'est la même méthode que les catchs d'improvisation théâtraux. La première question est la suivante. Prendre son vélo à la place de sa voiture pour aller au travail pendant un an, est-ce assez pour compenser un trajet en avion aller-retour? Ce sera oui, rouge, non, blanc. On vote. Majorité? Majorité? Blanc. C'est donc le blanc qui l'emporte, le non. Notre chère Victoire va vous présenter la réponse. Bonsoir.
Alors, déjà, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la distance domicile-travail qu'on effectue pour aller au travail. Et ça dépend aussi de la destination où on veut voyager. Donc, en France, le trajet domicile-travail, en moyenne, est de 26,6 km aller-retour. C'est précis. Et un Français ou une Française travaille en moyenne 218 jours en France. Donc, quand on fait un petit calcul, on multiplie, ça fait 6000 km parcourus par an pour aller et venir du travail. Donc, d'après les chiffres de l'ADEME, on voit que en vélo, sans compter par exemple le cycle de vie du vélo, on émet 0 kg de CO2 sur cette distance-là. CO2 équivalent. Je dois expliquer ce que c'est le concept de CO2 équivalent. C'est si on ramenait tous les gaz à effet de serre au même impact de réchauffement au même impact de réchauffement que le CO2. Donc là, on voit par exemple que pour la voiture thermique, on est à 1300 kg de CO2 équivalent pour cette distance en un an. Donc avec cette économie de CO2, où est-ce qu'on pourrait aller? Eh ben, c'est ce qu'on a voulu savoir. L'ADEME nous fournit aussi les chiffres qu'on émet 150 grammes de CO2 équivalent à peu près par passager par kilomètre dans un trajet long courrier. Donc on a fait le calcul, ça fait 8000 km aller-retour. Soit on peut aller au Groenland, en Norvège, en Grèce ou en Afrique du Nord. Après, ce qui est important, c'est surtout que c'est pas parce qu'on a fait une économie, et c'est pas parce qu'on peut dépenser ces CO2 en plus qu'on doit le faire. Parce que tout CO2 émis reste en grande partie dans l'atmosphère. Et c'est bien ça le problème. Et le CO2 qui reste dans l'atmosphère contribue au réchauffement climatique. Donc si on peut faire des économies et les garder comme des économies, c'est mieux. Bravo. Merci beaucoup Victoire pour cette explication. On va passer à la deuxième question de cette session d'ordre de grandeur. Alors, sachant que la France représente 1% des émissions mondiales et la Chine 27%, un Français ou une Française émet-il moins qu'un Chinois? Voilà. Ça va? Oui, rouge, non, blanc. On vote. Majorité? Blanc. C'est le blanc qui l'emporte, donc non. On va voir pourquoi avec Benoît. Tiens, bonsoir. Alors, pour cette question... il en manquait. Waouh. Ok. Alors voilà un premier graphe. Donc sur ce graphe, donc en abscisse on a les années et en ordonnée on a les tonnes de CO2 émises. C'est ce que Victoire vous a détaillé juste avant. Et donc l'indice qui est calculé ici, donc on voit United States, China. Donc en fait c'est ni plus ni moins que les consommations totales du pays à laquelle on divise par la population. Donc en gros là on peut voir qu'un Chinois émet environ 8 tonnes de CO2 par an. Un Français ou une Française émet environ un peu moins de 5 tonnes. Alors, selon vous, est-ce que c'est vraiment juste cela? Bon, j'attends pas que vous répondiez, mais bon, c'est pas vraiment juste. On peut pas vraiment parler comme ça. Pourquoi? Parce que... Waouh. Eh bien, parce que, tout simplement, quand on achète une voiture... que la carrosserie est produite en Chine, que les boulons sont produits en Allemagne. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Chaque habitant consomme de A à Z sa voiture et ça ne devrait pas être le pays dans lequel elle est conçue qui devrait payer ces émissions-là. Donc là, en fait, c'est un nouvel indice. Donc les abscisses et les ordonnées, c'est les mêmes choses que sur le graphe d'avant. Mais cet indice-là, il prend en compte la consommation. Et là, on voit que, en fait, il y a vraiment plus beaucoup d'écart entre un Chinois et un Français avec cet indice-là. Un Français, c'est autour de 6 tonnes, un Chinois autour de 7 tonnes. Et ce qu'on peut même remarquer en plus, c'est que la France a été c'est qu'un Français a longtemps plus émis qu'un Chinois, et c'est que très récemment, donc entre 2017 et 2018, avec cet indice, qu'on a eu une rupture sur ça. Bon alors, est-ce que c'est tout? Non, c'est jamais assez. En fait, on devrait prendre d'autres facteurs en compte, c'est-à-dire que nous sommes un pays développé, on doit payer aussi notre développement quelque part. Et on peut rajouter aussi que le français moyen, est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce qu'il faudrait pas prendre le français médian et moins prendre en compte les extrêmes sociaux? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Donc la réponse est oui, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est important cette question parce que c'est un argumentaire qu'on retrouve très souvent dans la presse. Merci.
Merci beaucoup, mon cher Benoît, pour la réponse à cette question. On va terminer avec donc une dernière question, si vous le souhaitez. Un trajet Paris-Marseille en avion équivaut-il à 20 trajets en TGV, donc en train de grande vitesse ? Pour voter, oui, rouge, non, blanc. On vote. Majorité ? Égalité. Majorité ? Blanc. Donc vous avez répondu majoritairement non. On va voir avec Justin. Tiens. Alors on va faire des calculs qui sont vraiment pas compliqués. On va commencer avec l'avion. L'avion, on a un résultat de 90 kg de CO2 équivalent par passager pour un vol entre Paris et Marseille. Donc ça, c'est des données de l'aviation civile. Et on va faire exactement la même chose avec le train. On a 2 kg de CO2 équivalent par passager pour le train pour un aller Paris-Marseille. Là aussi, c'est des données publiques de la SNCF. Donc, en faisant le ratio, on va voir qu'on arrive au-dessus du ratio de 20, puisqu'on arrive à 45. Donc, le trajet en avion émet 45 fois plus de CO2 qu'en train pour cet aller-là, pour Paris-Marseille. Voilà. Pourquoi ? Il y a deux grandes raisons qui expliquent cela. Il y a premièrement l'énergie, avec en France un mix électrique qui est bien moins énergivore, en tout cas en termes d'équivalent CO2, que le kérosène avec le nucléaire et le renouvelable. Et la deuxième raison, c'est la capacité de transport, pardon, puisque un train permet de faire voyager entre Paris et Marseille environ un TGV. Environ 500 passagers. On peut doubler sa rame avec environ 1000 passagers, du coup, alors qu'un avion entre Paris et Marseille, en moyenne, transporte 180 personnes. Voilà, donc c'est les deux principales raisons pour répondre à cette question. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Justin, pour cette réponse. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. L'idée, c'était vraiment que vous puissiez aussi participer, de faire une conférence un peu inédite, un peu gesticulée, interactive. C'était notre idée, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit jeu. Présentement, nous allons retrouver Emilia, Juan et Gabi en 2050. Bon voyage. Bienvenue en 2050. Nous avons pris quelques cheveux grisonnants. Nous sommes le 18 janvier 2050 et je suis le maître du temps pour votre soirée. Je vous propose de rejoindre Valérie et de visiter le monde qui nous entoure en 2050. Merci beaucoup Mathias, et donc nous sommes le 18 janvier 2050, j'ai 78 ans, encore pas mal de cheveux, vous voyez. Et je suis contente d'être de retour à Grenoble, où j'ai vécu dans les années 90, avec plein de collaborations scientifiques, et où est née une de mes filles. À cause de mon âge, j'ai parfois du mal à entendre, donc soyez indulgents, ma mémoire me joue des tours, et c'est pour ça que j'ai écrit ce témoignage que je vais vous lire. Et pour bien comprendre comment on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui, il faut remonter aux années 2015-2025, beaucoup de choses se sont jouées là, donc on va faire des allers-retours temporels. Et en 2015, la France avait fait le choix risqué d'accueillir la COP21 dans le cadre des négociations sur le climat et réussi à construire l'accord de Paris sur le climat, le premier cadre universel, pour renforcer l'action internationale afin de maîtriser les risques liés au changement climatique. Et je vous rappelle que l'objectif principal, c'était d'atteindre un pic et une diminution des émissions de gaz à effet de serre dans le monde pour limiter le réchauffement largement sous 2 degrés par rapport au climat pré-industriel, avec l'aspiration à le limiter à un niveau d'un degré et demi. À l'époque, j'étais chercheuse en sciences du climat à Paris-Saclay, membre du Haut Conseil pour le climat en France, et puis j'ai été coprésidente d'un des groupes de travail du GIEC
chargé de fournir des connaissances scientifiques avec l'aspiration que ça éclaire des choix et des choix efficaces. Alors ce mois-ci, en janvier 2050, le GIEC va rendre son rapport pour son 10e cycle d'évaluation au moment où nous avons déjà franchi, sur la dernière décennie, un niveau de 2 degrés de réchauffement planétaire. Depuis mon époque, que puis-je dire ? 30 ans d'émissions de gaz à effet de serre en plus, 30 ans de réchauffement supplémentaire, des impacts de plus en plus difficiles à gérer, qui creusent les inégalités et des pertes irréversibles. C'est un peu notre héritage. Et il suffit de regarder dehors. Janvier 2050, à Grenoble, il pleut à plus de 3000 mètres d'altitude. Beaucoup des petits glaciers que j'aimais regarder ont disparu. Le fonctionnement des stations de ski qui restent actives n'est possible que par l'enneigement artificiel quand il est possible. Il est de plus en plus difficile de gérer les crises d'approvisionnement en eau, les pertes de rendement agricole, les bouleversements des écosystèmes. Les forêts ont beaucoup dépéri et on voit encore autour de nous les traces des incendies de l'été dernier. Mais les étés sont devenus insupportables à Grenoble, avec leurs canicules interminables, la prolifération de moustiques. En 2023, on faisait pourtant déjà l'expérience de ces effets, qui avaient été anticipés depuis plusieurs décennies par la communauté scientifique, et je parlais parfois de tragédie grecque. Il faut bien comprendre que les connaissances n'ont fait que s'affiner depuis la fin du XXe siècle. Et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ces connaissances, pourquoi l'expérience d'impact de plus en plus grave n'avait pas été prise au sérieux dès le début. En France, comme dans le reste du monde, des groupes industriels, parfois aussi des collègues scientifiques d'autres disciplines, des partis politiques se sont fait des marchands de doutes, relayant des discours populistes, justifiant de ne rien changer, alimentant le déni, l'indifférence de nombreux décideurs et d'une large partie de la population. Et puis beaucoup de gens, même de bonne volonté, en France comme ailleurs, pensaient que ça ne les concernait pas. Après tout, en France, on avait une électricité décarbonée, et les émissions de gaz à effet de serre baissaient régulièrement depuis les années 90. En 2023, cette baisse avait atteint presque 5%, et ça donnait l'impression qu'un cap suffisant était tracé. Pourtant, à l'époque, cette baisse était beaucoup liée à l'inflation, plutôt qu'à l'effet de politiques structurantes pour construire une transition écologique profonde. Et puis aussi, pendant longtemps, on pensait que la France, avec son climat océanique tempéré, n'était pas aux premières loges des impacts d'un climat qui se réchauffe. On se rassurait en pensant que ça concernait les générations futures, des régions lointaines, très vulnérables, les ours polaires. Et donc, on a continué à construire dans les zones inondables, sur les sols argileux, au ras de la mer. On a continué à subventionner des pratiques agricoles qui dépendaient d'une irrigation importante ou l'enneigement artificiel en montagne. Ce qui a augmenté, en fait, notre exposition aux aléas climatiques et aussi notre vulnérabilité. On a continué un aménagement du territoire qui détruisait des milieux naturels, des sols agricoles, poussait les gens à s'éloigner des centres-villes, les rendait dépendants de la voiture individuelle. On a aussi laissé faire un marketing agressif qui poussait les particuliers qu'ils pouvaient acheter des voitures toujours plus grosses, plus lourdes. Et la crise des gilets jaunes avait paralysé toute décision forte en lien avec les transports routiers, responsables de près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Je me souviens qu'après la pandémie de Covid-19, tout était fait pour relancer le secteur aérien, le tourisme international, y compris l'accueil des Jeux Olympiques d'hiver en 2030. On ne voulait pas toucher au mode de vie, à une activité économique pilotée par la consommation. Pourtant, les importations de gaz et de pétrole nous rendaient très dépendants d'autres pays pas franchement attachés aux droits humains, ni au respect des frontières, et ce qui donnait lieu à toutes sortes de compromissions avec les valeurs historiques de la République française. Le premier bilan mondial de l'accord de Paris a eu lieu en 2023. Vous vous en souvenez ? C'est à ce moment-là que la Convention des Nations Unies sur le changement climatique a organisé dans les années 2020 une succession de conférences des parties dans les pays les plus gros producteurs d'énergie fossile. Certains proposaient même de les appeler non plus les COP pour le climat, mais les conférences de l'organisation pétrolière. La COP 28 aux Émirats Arabes Unis, la COP 29 en Azerbaïdjan, la COP 30 au Brésil qui rejoignait l'OPEP+ à ce moment-là, et la COP 31 en Australie. Avec à chaque fois une participation croissante de lobbyistes des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, énergie fossile et agro-industrie en tête. Et même si chaque COP donnait lieu à quelques avancées pour sauver les apparences, l'action pour le climat n'était pas à la hauteur des enjeux. Par exemple, à la fin de la COP 28, les engagements qui avaient été pris permettraient de réduire d'environ 10% les émissions de gaz à effet de serre de 2020 à 2030, alors qu'il était clair, sur la base des connaissances scientifiques, une baisse de l'ordre de 50%
aurait été nécessaire pour limiter le réchauffement proche d'un degré et demi. Ça n'avait pas empêché le président de la COP28, lui-même PDG de l'entreprise pétrolière nationale, de déclarer avoir mis le monde dans la bonne direction avec un plan d'action robuste pour garder l'objectif de limiter le réchauffement de 1,5 degré en ligne de mire, un plan piloté par la science. Résultat des courses maintenant, en 2050, c'est seulement aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre commencent à diminuer sérieusement, alors qu'on aurait pu déjà atteindre la neutralité carbone si on avait mis en œuvre les solutions disponibles dans les années 2020. Bah, du coup, les émissions de CO2 ont continué à augmenter, l'accumulation de chaleur dans le climat s'est poursuivie, on a dépassé un niveau de réchauffement d'un degré et demi au début des années 2030, et puis maintenant, en 2050, on vient de franchir 2 degrés de réchauffement planétaire. Donc on a échoué à tenir les objectifs ambitieux de 2015. Bien sûr, les premiers événements extrêmes liés à l'influence humaine sur le climat avaient marqué les esprits, et puis on s'y est habitué. Ceux de ma génération se souviennent de la canicule de 2003 et son hécatombe, de la canicule de 2019 qui avait conduit à reporter le brevet des collèges avec 46 degrés près de Nîmes, et ce n'était que le début. Ce qui était l'année la plus chaude de l'époque, l'année 2023, c'est maintenant devenu la norme. En France, on est à 3 degrés de réchauffement, un réchauffement plus prononcé que la moyenne planétaire. Certains d'entre vous se souviennent-ils des signes avant-coureurs de cette période 2022-2024 ? Elle avait été déjà marquée par des successions de vagues de chaleur et son cortège de victimes, des incendies hors de contrôle, en France, autour de la Méditerranée, mais aussi au Canada, par exemple. Des situations graves de sécheresse, d'inondation avec l'intensification du cycle de l'eau. Il n'y avait plus d'approvisionnement quotidien en eau potable à Mayotte. Et puis, les glaciers des Alpes avaient perdu 10% de leur volume en 2 ans. Avec l'événement El Niño de 2023, le pic de température flirtait déjà pour la première fois, avec un niveau d'un degré et demi au-dessus du climat pré-industriel. Et maintenant, en 2050, on se rend bien compte rétrospectivement que ces événements n'étaient que le début de l'aggravation des conséquences d'un climat qui se réchauffe. En région Rhône-Alpes, vous avez dû faire face l'été dernier à une vague de chaleur de 6 semaines, avec des pics à plus de 50 degrés, et des sécheresses d'une intensité inédite, un débit du Rhône ridiculement faible. C'est aussi la conséquence de la perte du manteau neigeux, des glaciers, qui n'alimentent plus les cours d'eau à la fin de l'été. Et ça affecte toutes les activités industrielles qui avaient été mises en place dans les années 2020 pour réindustrialiser la France. Malgré les efforts d'adaptation, les pertes de production agricole ont encore été très lourdes, avec un effet sèche-cheveux spectaculaire. Je me souviens qu'à la fin de l'été 2022, j'avais été invitée à faire un séminaire de rentrée gouvernementale, quand le gouvernement français voulait mettre en scène sa stratégie de planification écologique qui montrait bien les enjeux de transformation à mettre en œuvre. Et pourtant, le président de la République lui-même s'était interrogé quelques mois plus tard, en janvier 2023, en se demandant qui aurait pu prévoir la crise climatique. Les assureurs ont pourtant été parmi les premiers à tirer la sonnette d'alarme, en montrant l'augmentation des coûts des catastrophes dites naturelles, qui augmentaient fortement pour les sécheresses ou les inondations. Bercy avait publié une de ses premières études sur l'assurabilité des risques climatiques en janvier 2024. Et c'est aussi le moment où la Cour des comptes avait rendu son premier rapport dédié aux enjeux d'adaptation. Dans les années 2020, on avait déjà bien compris que 2/3 des Français vivaient dans des endroits exposés aux aléas climatiques, en montagne, en plaine, sur le littoral et dans les Outre-mer en particulier, et que dans le monde, plus de 3 milliards de personnes vivaient dans des contextes hautement vulnérables. On se rend compte aujourd'hui qu'on avait massivement sous-estimé ces risques climatiques dans tous les outils de prise de décision économique et notamment ceux liés à la montée du niveau de la mer. Dès les années 2020, l'ampleur des transformations nécessaires était bien identifiée et les leviers d'action qui auraient pu permettre déjà à l'époque de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Des solutions disponibles dans tous les systèmes, système énergétique, gestion des terres, système urbain, industrie, grandes infrastructures, avec le besoin de réorientation des financements au service de ces solutions. On avait aussi montré clairement, à l'époque, que pour contenir le réchauffement, c'était pas seulement des enjeux à jouer sur l'offre et les solutions technologiques, mais aussi la demande. Vous vous souvenez, on parlait de cette sobriété au moment de la crise d'approvisionnement énergétique, la sobriété en énergie, en matériaux non renouvelables, et puis une alimentation plus saine, plus respectueuse de l'environnement. Les freins à la transformation du secteur alimentaire ont été particulièrement forts, alors qu'on savait dès les années 2020 qu'il pesait à hauteur de 30% des émissions de gaz à effet de serre et qu'il était vulnérable. Beaucoup de connaissances en sciences humaines, sociales, montraient déjà comment construire des transformations de société
pour que leur mise en œuvre ne laisse personne derrière, pour que le développement soit résilient dans un climat qui change, en protégeant les plus vulnérables, les écosystèmes, en s'appuyant sur les solutions fondées sur la nature. Et c'est en ce sens, à l'époque, qu'on disait que chaque choix compte pour inscrire l'action climat plus largement dans les transformations de société, pour tirer parti de tous les bénéfices à une action bien faite pour le climat, avec des enjeux en termes d'amélioration de la santé publique, et pour combiner innovation technologique, sociale, frugale. Mais force est de constater que beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises, notamment producteurs d'énergie fossile, ont tout fait pour saper ce besoin de transformation majeure, avec des discours rassurants, en plaidant pour que les transformations soient graduelles, ordonnées, en mettant en avant la demande de la société à laquelle ils ne faisaient que répondre. Et encore une fois, une machine de déni était à l'œuvre, plus insidieuse que le climato-scepticisme de la fin des années 80, avec une désinformation largement diffusée sur les réseaux sociaux pour semer le doute par rapport à tous les leviers d'action permettant de sortir des énergies fossiles. Ça avait entraîné beaucoup de polarisation et sapé, en fait, la délibération démocratique. Alors, comment on en est arrivé à un tel niveau de réchauffement et d'impact en 2050 ? Le soutien international à l'accord de Paris a commencé à diminuer dans les années 2020. Les émissions, bien sûr, de CO2 ont été réduites dans certains secteurs, dans certaines collectivités, dans certains pays. Mais les efforts ont été limités, pas toujours fructueux. La perturbation du bilan d'énergie de la Terre s'est intensifiée et les événements les plus extrêmes, pluies torrentielles, sécheresses intenses, vagues de chaleur, submersions, ont commencé à se répéter, mais d'abord dans des régions peu peuplées, lointaines, et n'ont pas renforcé le niveau de préoccupation ailleurs. Néanmoins, les vagues de chaleur sont devenues de plus en plus fréquentes dans beaucoup de villes. L'enneigement a diminué, affectant les Alpes, les Rocheuses ou les Andes. Et vers 2030, malgré le fait que le réchauffement planétaire ait déjà atteint 1,5 degré, aucun changement majeur n'était intervenu dans les politiques publiques. Mais à partir d'un événement El Niño majeur à ce moment-là, donc son effet s'ajoutant aux tendances liées à l'influence humaine sur le climat, plusieurs années catastrophiques se sont produites. Alors que, à ce moment-là, ponctuellement, la température flirtait déjà avec les 2 degrés au niveau planétaire. Des conséquences mortelles de grandes vagues de chaleur dans les mégapoles asiatiques, qui affectaient en plus ceux qui étaient mal équipés pour se protéger des effets des températures extrêmes. Des sécheresses intenses se sont succédées autour de la Méditerranée, au centre de l'Amérique du Nord, en Amazonie, dans le sud de l'Australie. Et puis avec l'augmentation des pluies torrentielles, des terribles inondations se sont produites, aussi bien dans des régions très froides, près de l'Arctique, que dans les régions tropicales, notamment en Asie. Beaucoup d'écosystèmes majeurs auxquels on était très attachés à l'époque, les récifs coralliens, les zones humides, certaines forêts ont été détruites au cours de cette période. Et ce qui a aussi perturbé considérablement les moyens de subsistance de ceux qui en dépendaient, notamment les peuples autochtones. Les systèmes de gestion de forêts ont été souvent débordés, et c'est maintenant quasiment la moitié de la surface du pourtour de la Méditerranée qui est touchée. La forêt amazonienne a été fortement dégradée, à la fois par les sécheresses chroniques et puis par une déforestation croissante, avec un phénomène de savanisation qui est observé couramment. À Miami, en Floride, une grande partie de la ville a été détruite par un ouragan avec des pluies intenses, associées à une forte onde de tempête. Une sécheresse de 2 ans a touché en même temps les grandes plaines des États-Unis, l'Europe de l'Est et la Russie, diminuant la capacité de production alimentaire mondiale, avec des fortes augmentations du prix des denrées alimentaires et des situations de piège de pauvreté, de malnutrition qui ont été enregistrées. Et aujourd'hui, en 2050, pendant les saisons sèches, le débit de nombreux cours d'eau a diminué à cause de la perte de l'enneigement des glaciers. Et cette fonte des glaciers a aussi effacé la mémoire du climat dans les carottes de glace, ce qui était la matière première de mon activité de recherche pour connaître les climats passés. Les sols gelés de l'Arctique ont reculé, ce qui affecte les infrastructures, les écosystèmes, avec des incendies de toundra aussi de plus en plus fréquents. La capacité de l'océan, de la végétation, des sols à stocker du carbone. À mon époque, quand j'étais jeune, ils absorbaient la moitié des émissions de CO2 humaines. Elle est amoindrie maintenant. Et certaines solutions qui s'appuient sur les écosystèmes ne sont plus viables. Notre portfolio, en fait, de leviers d'action s'est réduit. On observe des blooms d'algues toxiques fréquemment. Les pêcheries ont beaucoup souffert à cause de l'acidification des océans, de leur perte d'oxygène, des vagues de chaleur marine plus intenses. Et maintenant que la banquise arctique disparaît régulièrement en été, on a des tensions croissantes pour la navigation, pour les ressources, notamment en pêche, tout autour de l'Arctique.
La circulation profonde de l'océan Atlantique continue à ralentir. Et à terme, c'est vraiment préoccupant pour la répartition des pluies dans les régions tropicales. Les événements de très haut niveau marin, qui étaient rares au XXe siècle, se produisent parfois tous les ans dans de nombreuses régions. Certaines grandes villes ont les moyens de se protéger, Monaco, Singapour, ou de planifier des replis stratégiques. Mais la situation est très tendue dans les zones de delta agricole et les dommages sont considérables pour l'habitabilité des basses terres des petites îles, dont les populations cherchent l'aide d'une communauté internationale de plus en plus divisée. Les niveaux de pauvreté ont augmenté, les réserves alimentaires sont basses, la santé humaine en souffre. En plus des effets sanitaires, des déplacements de vecteurs de maladies et des vagues de chaleur, à la limite en fait, des capacités pour pouvoir avoir une activité physique en extérieur dans de nombreuses régions, beaucoup d'adultes de ma génération souffrent de solastalgie, ce sentiment de deuil lorsqu'on a perdu un environnement auquel on était attaché, mais aussi les modes de vie, les traditions culturelles qui y étaient associées. Et cette perte, elle est irréversible. Il y a des niveaux élevés d'agitation publique, de déstabilisation politique. En raison des pressions climatiques croissantes, certains pays deviennent dysfonctionnels. D'autres cherchent maintenant, avec la mesure des enjeux, à déployer dans l'urgence des plans d'action pour tenter de faire baisser les émissions, installent des usines de captage et stockage de carbone, se lancent dans des accaparements de terres pour des opérations de boisement à grande échelle, mais souvent peu viables dans ces nouvelles conditions climatiques, avec des impacts souvent négatifs. Les investissements massifs dans l'efficacité énergétique, les renouvelables, arrivent tard, sont mal coordonnés, les prix de l'énergie ont monté en flèche, avec le manque d'infrastructures, et dans certains cas, la demande ne peut pas être satisfaite, ce qui entraîne des retards supplémentaires. Certains pays promeuvent activement des actions pour modifier le rayonnement solaire, en injectant des particules dans la haute atmosphère. Les négociations internationales sur le sujet sont toujours très tendues, avec des préoccupations majeures sur la manière de tenir compte des impacts indésirables, des risques en cas d'interruption et des modalités de gouvernance. Les températures continuent à augmenter, alors que les solutions pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre sont mises en œuvre tardivement, en milieu de ce siècle, alors qu'on aurait pu démarrer longtemps avant. Les perspectives sont très préoccupantes. Le rythme de montée du niveau de la mer continue à accélérer. On comprend bien mieux, en fait, les implications des instabilités d'écoulement de multiples secteurs de l'Antarctique. Et on a fortement revu à la hausse les projections de montée du niveau de la mer sur les prochaines décennies. Certains des investissements qui avaient été faits à l'époque sont plus viables, en fait, pour protéger les littoraux. Le monde tel qu'il était en 2020 est difficile à reconnaître, avec de grandes difficultés à maintenir la productivité du travail en extérieur, l'espérance de vie, la qualité de vie s'est réduite dans de nombreuses régions. Certaines régions font l'objet d'un stress tel sur les ressources en eau que des activités agricoles n'y sont plus économiquement viables, ce qui contribue à l'augmentation de la pauvreté. Et les progrès qui avaient été accomplis pour les objectifs de développement durable ont été en grande partie annulés, notamment à cause de l'accroissement des conflits. Presque tous les écosystèmes subissent des impacts irréversibles. Les taux d'extinction d'espèces ont fortement augmenté, entraînant des pertes des services que nous rendent ces écosystèmes qui réduisent la qualité de vie. Les dommages économiques globaux sont considérables à cause des effets combinés des changements climatiques, de l'instabilité politique et de la perte de ces services des écosystèmes. Et nous savons que la situation va encore continuer à se dégrader puisque nos émissions de gaz à effet de serre continuent à être élevées. Je m'interroge sur ce que j'aurais pu faire de plus dans les années 2020 comme scientifique, ce que la communauté scientifique aurait pu faire pour être mieux entendue. Est-ce que nos rapports étaient vraiment trop techniques, trop difficiles à lire? Est-ce que nous aurions dû arrêter de produire des connaissances pour pousser à l'action alors que ce n'était pas notre métier? Vous savez, à l'époque, on nous disait que nous étions anxiogènes ou militants, alors que nos rapports montraient aussi bien les risques que les solutions et leurs bénéfices, tous les leviers permettant d'agir au service de l'intérêt général. Et je me souviens, pour terminer à l'époque, comment, à quel point j'avais été reconnaissante à l'engagement des jeunes pour le climat, qui permettait de changer les conditions des dialogues. Justement, Valérie, nous, ce que nous voulons, c'est pas cet avenir-là. Nous, jeunes, nous toutes et toutes dans la salle, nous voulons autre chose, nous voulons un autre avenir. Alors, on retourne en 2024.
qu'est-ce qu'on sait présentement sur les futurs possibles? Quels sont les autres scénarios possibles? Peux-tu nous éclairer là-dessus? T'es juste là. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est des figures qui viennent du résumé grand public, du rapport du groupe 1 du GIEC de 2021. Je suis désolée, c'est en anglais, ça veut dire « bienvenue en 2050 ». Mais ça dépend de quel 2050 on parle. J'essaie de maîtriser la chose. Voilà. Donc on revient en 2024. Et ça, c'était une des figures du rapport de synthèse du GIEC de l'époque qui montrait en fait l'évolution observée et future d'un indicateur de l'état du climat, la température à la surface de la Terre. Et ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est le résultat d'un scénario intermédiaire qui tenait compte des politiques publiques déjà mises en œuvre qui, au début des années 2020, ont permis d'éviter d'émettre plusieurs milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an, avec une action pour le climat qui montait en puissance et qui rendait moins plausible des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre très élevés. Et donc, ce qu'on va aussi faire comme exercice, c'est regarder ce qu'on pourrait gagner avec des émissions de gaz à effet de serre plus basses, donc pour avoir des futurs différents. Donc, cette présentation, elle s'appuie sur un certain nombre d'éléments des rapports du sixième cycle d'évaluation du GIEC, 3000 pages pour chaque rapport complet, 500 pour les rapports spéciaux, un travail considérable qui s'appuie sur les connaissances scientifiques récentes. Et donc vous avez une intelligence artificielle qui s'appelle Climate Q&A, qui permet de poser des questions en langage courant et d'aller chercher les éléments tellement c'est lourd en fait à digérer. Donc moi je résume en trois mots, la gravité de la situation actuelle, l'urgence à changer d'échelle pour éviter des futurs qui seront difficiles à gérer et surtout la capacité à agir. Donc pour le monde, je m'appuie sur les rapports du GIEC et une réactualisation sur certains aspects. Pour la France, je m'appuie sur les rapports du Haut Conseil pour le climat. Le dernier, en 2023, acter l'urgence, engager les moyens et publicité. Le 24 janvier, la publication d'un rapport sur les enjeux agriculture, alimentation. Donc, où est-ce qu'on en était en 2024 sur l'état des connaissances scientifiques? Alors, un réchauffement observé, un constat très clair qu'il est dû aux conséquences de l'influence humaine sur le climat, avec sur la dernière décennie l'effet réchauffant des gaz à effet de serre qui a continué à augmenter. Les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter en 2023 et l'effet parasol des particules de pollution qui en masquait une partie des effets qui lui a été réduit, notamment grâce aux politiques publiques pour améliorer la qualité de l'air en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Mais par contre, du coup, comme on perd cet effet de masque, ça joue aussi dans le sens d'un réchauffement. Et du coup, le rythme de réchauffement est particulièrement marqué sur la dernière décennie. Voilà la réactualisation avec les données du suivi de la température à la surface de la Terre jusqu'à l'ensemble de l'année 2023. Donc on est autour de 1,45-1,5 degrés de plus cette année pour la première fois par rapport au climat pré-industriel. Ça va être de plus en plus souvent. Et quand ce sera une année sur deux, en fait, on sera à un niveau de réchauffement en moyenne sur une dizaine d'années qui atteindra ce niveau-là au sens climat. Donc on observe une généralisation d'impact grave qui touche à la disponibilité en eau, au rendement agricole avec des chocs régionaux, à des aspects critiques pour la santé et le bien-être, notamment du fait, par exemple, de déplacements contraints qui touchent la santé mentale. Je pense à ceux qui ont été affectés notamment par des situations d'incendies graves ou d'inondations qui les conduisent à se déplacer. On a des effets lourds qui persistent en fait après ces déplacements. Des dommages sur les villes, des infrastructures, notamment avec les pluies intenses et leurs conséquences. Et puis des effets généralisés pour le vivant, la moitié des espèces étudiées qui se déplacent. Des situations de mortalité de masse sur les écosystèmes, les arbres, même en France, les écosystèmes océaniques, coraux, gorgones en Méditerranée et autres, et des dégradations en fait de ces écosystèmes. Donc la chose à retenir, c'est qu'on sait déjà maintenant que ces impacts sont dus à des changements de plein de conditions physiques, l'état moyen du climat, les événements extrêmes, et qui vont être amenés à s'accroître avec chaque incrément de réchauffement. Donc, chaque incrément de réchauffement évité compte pour éviter justement d'aggraver ses conséquences immédiates et ses conséquences à long terme. En France, on est particulièrement exposé. 2/3 des personnes dans des contextes vulnérables. Pour un niveau de réchauffement planétaire d'à peu près 1,2 degré maintenant, on en est à 1,9 en France. Et dans le climat des années 2020,
on a eu jusque 3 degrés de plus quasiment que le climat pré-industriel en France en 2022. Il y avait même 10% de probabilité d'avoir une année encore plus chaude dans le climat d'aujourd'hui. En 2022, en France, un ensemble de conséquences graves, un surcoût pour les assureurs de l'ordre de 3 milliards d'euros, notamment du fait des mouvements de sol argileux et leurs conséquences sur le bâti. Un bilan récent pour 2023 de Météo France, la deuxième année la plus chaude, quasiment au niveau de 2022 en France. Une vague de chaleur exceptionnelle, 17-24 août 2023, ma fille qui habite ici, voilà, vous en avez fait l'expérience, je crois plus de 40 degrés sur le campus, et des températures la nuit qui descendaient pas en dessous de 30 degrés en centre-ville cet été. Un automne 2023 le plus chaud enregistré, et de forts contrastes sur la répartition de la pluviométrie, avec notamment une sécheresse persistante dans certaines régions du sud, notamment près des Pyrénées, et à l'inverse, sur le nord de la France, un record de précipitations sur 30 jours cet automne, avec une succession de passages dépressionnaires et des inondations graves dans le Pas-de-Calais. Et puis dans les Outre-mer, des sécheresses historiques à Mayotte, mais aussi en Guyane, et des records de température. Alors si on continue, à partir de là où on en est aujourd'hui, la question c'est quel 2050 ? Quelles évolutions projeter en fonction des choix socio-économiques qui sont faits ? Et donc la première chose à noter, c'est que pour explorer les évolutions futures, dans les rapports du GIEC, on s'appuie sur des scénarios socio-économiques très contrastés qui couvrent tout ce qu'on trouve dans la littérature scientifique. Ça veut dire que ces scénarios ne sont pas nécessairement plausibles ou crédibles. C'est vraiment pour balayer un très large spectre. Donc le scénario en orange, intermédiaire, c'est celui qui ressemble le plus à l'extrapolation des politiques publiques telles qu'elles sont aujourd'hui dans le monde. Des émissions qui baissent lentement dans les pays développés, une vingtaine de pays, même en tenant compte du commerce mondial. Une baisse là, aux États-Unis, la première post-rebond après la pandémie. Et on attend le pic et une diminution en Chine, prochainement peut-être en 2024. Mais par contre, ça continue à monter dans de nombreux pays émergents, dans de nombreux pays en développement, d'où cette stagnation au niveau mondial quelques décennies et une baisse lente en fin de siècle. C'est ce que je décrivais tout à l'heure dans le 2050, pas très sympa. Donc, la chose importante à retenir, c'est que c'est le cumul des émissions de CO2 qui va être le facteur déterminant du réchauffement à venir. Donc, tant que les émissions mondiales de CO2 ne sont pas à zéro net, le cumul augmente, le climat continue à dériver. Donc, on voit qu'en fait, pour arriver à limiter le réchauffement en dessous de cette trajectoire orange, eh bien, il faut engager des baisses plus résolues à court terme et le niveau de réchauffement se stabilise si on atteint des émissions de CO2 mondiales à zéro net, autour de 2070 pour limiter le réchauffement sous 2 degrés, autour de 2050 pour le limiter proche de 1,5 degré. Et vous voyez qu'il y a même le ménage qui est fait en fin de siècle dans ces scénarios, c'est-à-dire la capacité à enlever du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable, ce qui pose des questions de faisabilité, de risque, de coût, c'est présent dans ces scénarios. Et à cette condition-là, il y a la possibilité de faire diminuer très légèrement le niveau de réchauffement planétaire, typiquement d'un dixième de degré, après avoir dépassé un certain niveau. Et ça pose la question de la plausibilité de ce type de scénario dans le monde réel. Est-ce que si on dépasse 1,5 degré de réchauffement, on sera capable de revenir en arrière ? C'est pas du tout garanti. Bon, la réalité du réchauffement, ce sera pas un long fleuve tranquille comme là. Parce que là, ce qu'on montre, c'est la moyenne de toutes les projections climatiques. Ça masque complètement la variabilité naturelle. Donc, de temps en temps, celle-là, elle va jouer dans le sens inverse. On aura l'impression que ça stagne. Elle va superposer à l'effet du réchauffement. On aura l'impression que ça accélère. C'est pas pour autant que c'est hors de contrôle. Mais par contre, ça peut donner localement des plages de température beaucoup plus élevées beaucoup plus tôt. Et du coup, ça donne un avant-goût des impacts dont on s'attend qu'ils se répètent et qu'ils s'aggravent lorsque un tel niveau moyen de température sera atteint par la suite. Donc, à retenir, si on veut limiter le réchauffement, il faut être sérieux sur cette contrainte géophysique qui est la relation entre le cumul des émissions de CO2 et le niveau de réchauffement planétaire et se donner les moyens de cibler des budgets carbone à tenir, à ne pas dépasser dans tous les secteurs, dans tous les pays, de sorte à pouvoir construire les conditions de la stabilisation du réchauffement. Et dans les connaissances qu'on a aujourd'hui, il y a deux points importants à souligner. Si on met à zéro les émissions maintenant, c'est une vue de l'esprit, ou si on atteint des émissions zéro net de CO2 dans quelques décennies,
on n'attend pas de réchauffement supplémentaire. Donc ça, ça pourrait permettre de stabiliser le réchauffement. Et la deuxième chose, c'est que là, c'est présenté qu'entre maintenant et 2050, dans une plage qui va jusqu'à 2 degrés de plus, parce qu'on a une incertitude importante dans un monde plus chaud sur la capacité de l'océan, de la végétation, des sols à absorber la même proportion de nos émissions de carbone. Donc quand on va dans des mondes au-delà de 2 degrés, la plage d'incertitude en fait augmente sur la réponse naturelle du cycle du carbone et donc sur notre marge de manœuvre à nous, en fait, hein, qui est représentée là. Donc, à retenir, si on voulait stabiliser le réchauffement à 1,5 degré aujourd'hui, la marge de manœuvre qu'on estimait il y a 2 ans, c'était 500 milliards de tonnes de CO2. Réactualisée en juin dernier, c'est plus que la moitié, 250 milliards de tonnes. Ça veut dire dans 6 ans, aux émissions actuelles, bah, ce sera épuisé et inéluctablement, on aura un réchauffement plus important. La deuxième chose, c'est que si on regarde les infrastructures fossiles, production d'électricité, charbon, gaz, pétrole, et existantes et prévues à elles seules, sur la durée de vie qui a conduit à définir les investissements et leur rentabilité, si on les utilise sur leur durée de vie prévue, ça va consommer toute la marge de manœuvre qui reste pour limiter le réchauffement sous 2 degrés. Ça veut dire que aujourd'hui, on sait que développer de nouvelles ressources fossiles n'est pas compatible avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Ce n'est pas encore complètement traduit dans les stratégies d'investissement. Je pense que le PDG de Total Energy, d'ailleurs, en septembre dernier, quand il a présenté son excellent bilan financier aux investisseurs à New York, il a souligné que c'était une machine à cash. Et je pense que c'est une machine à cash parce que ça ne paye pas pour les pertes et dommages. Hein ? On n'a pas de mécanisme pour ça. Donc la chose importante à retenir, c'est pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire, ben, les changements dans chaque région du monde s'intensifient. Le réchauffement, plus marqué au-dessus des continents, la répartition contrastée de la pluviométrie qui baisse dans les régions méditerranéennes, qui augmente dans les régions froides. Et donc, chaque incrément de réchauffement qu'on évite, bah, ça permet d'éviter ces caractéristiques climatiques qui s'intensifient et qui font rentrer dans des plages nouvelles. C'est pas seulement le climat moyen, c'est aussi les extrêmes ou l'aridification. Donc, en haut, ce qu'on voit, c'est que les extrêmes chauds augmentent dans chaque région de manière disproportionnée, en fait, par rapport au niveau de réchauffement planétaire. Et si vous regardez bien, vous verrez qu'une des régions où c'est le plus marqué, c'est autour de la Méditerranée. Et quand on regarde la réalité de ce qui est observé sur les derniers 20 ans, dans la réalité, c'est 2 fois plus fort que dans les modèles de climat qu'on utilise ici. Donc ça pose la question d'arriver à mieux comprendre pourquoi et d'arriver à tenir compte de ces évaluations pour te dire, est-ce qu'on ne sous-estimerait pas, d'une certaine manière, certains de ces risques ? Donc au milieu, ce qu'on voit, c'est toutes les régions en jaune, c'est celles qui s'aridifient dans un climat qui se réchauffe, avec une baisse de l'humidité moyenne des sols, donc des enjeux importants pour les écosystèmes et les activités agricoles. Et puis en bas, c'est même dans les régions qui s'aridifient, on va avoir une augmentation des records de pluie lors des événements les plus pluvieux, donc un cycle de l'eau plus intense, plus variable, plus d'événements et de saisons très humides et très secs, avec des enjeux considérables à l'anticiper, et j'en discutais avec le collègue de l'OSUG, à construire par exemple des trames narratives, pas simplement des résultats les plus robustes qui sont présentés là, mais de quelles peuvent être les pires éventualités. Par exemple, la pire sécheresse historique qu'on puisse connaître, quelles seront ses caractéristiques dans un climat plus chaud, avec plus d'évaporation, qui vide les sols plus rapidement. Ou la tempête qui a donné lieu aux cumuls de pluie les plus importants, qu'est-ce qu'elle donnerait comme cumul de pluie dans un climat plus chaud ? Et on a des éléments pour le faire, mais on l'utilise pas encore complètement pour faire des stress tests climat et se préparer à la gestion de risques. Alors je vous parlais du monde vivant, des écosystèmes. On va regarder plutôt côté continental ici. Donc ce qu'on sait, c'est que pour un certain nombre d'écosystèmes terrestres, les risques augmentent avec le niveau de réchauffement planétaire. Donc on a vraiment tout intérêt à le limiter pour limiter l'aggravation des conséquences. Pour les risques liés aux incendies, aux dégradations des sols gelés, en montagne ou en Arctique, la perte de biodiversité, les situations de pénurie d'eau, de mortalité d'arbres, et puis le risque que les écosystèmes perdent en capacité à stocker du carbone, comme l'ont montré certaines situations récentes. Et du coup, pour moi, ce qui est important, c'est à la fois l'adaptation, bien sûr, qui est inévitable, en fait, hein, et qui a besoin de changer d'échelle, mais c'est aussi limiter la plage de réchauffement pour utiliser l'ensemble des leviers d'action qui existent, notamment en s'appuyant sur les écosystèmes. Ces leviers d'action, ils sont plus contraints
dans un climat plus chaud, où ils sont plus dégradés, par exemple. Alors, on va regarder un petit peu le volet niveau de la mer, donc qui a monté de 20 cm depuis 1900, dont le rythme a accéléré, 3,8 mm par an maintenant, dû au réchauffement de l'océan, à la fonte des glaciers et à l'écoulement plus rapide de secteurs de l'Antarctique et à la fonte du Groenland. Donc cette partie-là, elle est importante parce qu'en fait, c'est les composantes lentes du système climatique qu'on met en route. Et donc, chaque incrément de réchauffement évité, il évite aussi des conséquences irréversibles à long terme, notamment par rapport au rythme ou à l'ampleur de montée du niveau de la mer. Et ça, j'ai remarqué en discutant avec beaucoup de personnes de bonne volonté, à quel point c'est quelque chose qui pour elles est détestable, vraiment. L'idée de se dire que notre héritage, au-delà des choses positives qu'on aura tous construites, hein, c'est aussi de laisser en héritage des conséquences irréversibles à long terme auxquelles les suivants devront faire face et pour lesquelles on n'est pas préparé. Donc sur la montée du niveau de la mer, si le réchauffement est limité proche de 2 degrés, c'est les trajectoires en bleu, on peut réussir, s'il n'y a pas d'instabilité d'écoulement des glaces antarctiques qui se déclenchent, on peut réussir à limiter le rythme du réchauffement et son ampleur à horizon de la fin du siècle ou sur plusieurs siècles. Par contre, en cas de très forte réponse du climat, ou très fortes émissions de gaz à effet de serre, on est sur des plages plus hautes, hein, 1 mètre à horizon 2100, plusieurs mètres par la suite. Et si on n'a pas de chance avec la réponse des calottes de glace et que des processus incertains se déclenchent, on ne peut pas exclure 1 mètre 50 à la fin du siècle et plusieurs mètres par la suite. Et en termes de principes de précaution, on a beaucoup d'incertitudes sur les effets de seuil, sur les changements abrupts. Par contre, ce qu'on apprend des climats passés et de l'état des lieux actuels, c'est que plus on limite l'ampleur du réchauffement, finalement, plus on limite aussi la possibilité d'avoir ce type de conséquences qui se déclenchent. Et puis la montée du niveau de la mer, c'est important parce que pour s'y préparer, il faut vraiment anticiper. Avec les deux seules solutions qui permettent de l'éviter, c'est d'arrêter de construire dans les zones qui seront exposées, de planifier un repli stratégique. Et ça, ça pose des questions profondes de délibération sur la manière de le mener, surtout si on veut limiter l'artificialisation des terres. C'est vraiment un défi considérable. Donc à retenir hein, sur ces futurs possibles, quatre risques clés en Europe de l'Ouest, chaleur extrême pour la santé, pour les écosystèmes, les effets sur la production agricole avec tous les enjeux de solidarité avec les exploitants agricoles qui sont en première ligne, avec une vraie fragilité hein, des modèles de solidarité, de gestion de risque. Comment on peut élargir la sécurité sociale, par exemple, à l'adaptation ? C'est des questions qui sont posées. Les enjeux sur les situations de pénurie d'eau et pas seulement les sécheresses agricoles, mais les situations comme sur la vallée du Pô ou bien le Rhin, on a des débits tellement bas sur les fleuves que ça sape toute l'activité économique, industrielle de régions plus larges. Et puis, on a bien positionné nos villes, nos infrastructures le long des cours d'eau, sur le littoral. Donc, on est particulièrement exposé hein, par rapport à un ensemble de risques d'inondation. Et puis, pour les petites îles, notamment les territoires et régions d'outre-mer, il y a des enjeux directement liés à la dégradation des écosystèmes qui affectent les ressources, aux services et aux fonctions, notamment des récifs de coraux. Peu de stockage d'eau, donc une très forte vulnérabilité par rapport au stress hydrique et des enjeux parfois plus directs d'habitabilité, de pertes et dommages, et donc toute la question des mécanismes de solidarité qu'on est capable de mettre en œuvre. Donc ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est que le niveau de réchauffement planétaire qui est en rouge, qui est projeté, donc sur un scénario intermédiaire, 1,5 degré autour de 2030, 2 degrés autour de 2050, 2,5 degrés à 3 degrés en fin de siècle, bien sûr, il y a une plage d'incertitude, et il se traduit à chaque fois par un niveau de réchauffement plus élevé au-dessus des continents comme en France. Et donc, la question qui est posée, par exemple, pour la France, c'est comment on traduit la même chose que dans les rapports du GIEC, mais pour l'évolution du climat en France. Donc ça, c'est une des figures du rapport du Haut Conseil pour le climat de l'été dernier, et qui montre en fait trois scénarios contrastés. Un scénario de forte émission, d'émissions intermédiaires dans le monde, et un scénario de forte baisse des émissions. Et ce que l'on voit, en fait, c'est l'année record 2022. En fait, autour de 2050, ce serait assez proche de la norme. Donc l'enjeu, c'est arriver à se préparer à ce que seront les années records dans les décennies à venir, pour lesquelles on n'a pas le retour d'expérience, mais on peut aller regarder dans des régions plus chaudes le retour d'expérience pour préparer chaque secteur d'activité, chaque région, pour mieux y faire face.
Donc, anticiper les événements extrêmes, les éventualités à très fort impact pour la gestion de risque, pour être prêt. Et puis, une logique de transformation, c'est-à-dire comment on inclut les connaissances scientifiques sur les évolutions futures possibles dans le cadre réglementaire, dans les mécanismes de prise de décision, ce qui n'est pas encore le cas. Il y aura peut-être des annonces la semaine prochaine avec la communication de la nouvelle stratégie du plan national d'adaptation au changement climatique. Alors, je me souviens que dans les rapports du Haut Conseil pour le climat, on avait mis l'accent sur la région Rhône-Alpes. Donc ça, c'était dans le rapport de 2021 qui s'appelait « Dépasser les constats, mettre en œuvre les solutions ». Je me suis appuyée là-dessus hein, pour esquisser autour de 2050 des vagues de chaleur exceptionnelles très longues. Donc on avait regardé les vagues de chaleur, les situations de retrait gonflement d'argile avec les sécheresses, le nombre de jours de bas débit, les effets sur la diminution de l'enneigement. Et aussi, ce qu'on avait regardé, c'était finalement quels sont les secteurs les plus exposés, avec de nombreuses activités agricoles exposées de manière multiple, hein, y compris avec la végétation qui démarre plus tôt, le gel tardif, mais aussi, bien sûr, l'activité de tourisme de ski et les sites industriels particulièrement sensibles, associés par exemple aux besoins de refroidissement ou bien exposés à des conséquences d'événements extrêmes. Donc ça, c'est quelques éléments sur les futurs possibles. Merci pour cet état d'art, Valérie. On se pose des petites questions. On a vu des scénarios très contrastés ou des actions plus résolues. Quelles sont les solutions ? Y a-t-il un futur possible ? Encore mieux que ce qu'on a vu quand tu nous as présenté 2050. Peut-on encore agir toutes et tous ensemble en tant que citoyens ou en tant que scientifiques ? Merci. Oui, et donc ce qu'on a vu, c'est l'adaptation, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante et on a des limites, hein, parfois des limites dures sur la réponse de la végétation ou des écosystèmes, sur les ressources en eau. Et donc pour éviter d'être dans ce type de situation, réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est un aspect qui est critique. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les trajectoires, à partir des politiques publiques déjà mises en œuvre, elles impliquent des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui stagnent, vous voyez, c'est la courbe en rouge. Les promesses des différents pays, c'était il y a 2 ans, mais en fait ça a été assez peu réactualisé, à horizon 2030, si elles se réalisent, ça donnerait la petite plage en gris, c'est-à-dire une légère baisse des émissions de gaz à effet de serre, 2% si les promesses les plus dures se réalisent, 5% si celles qui sont conditionnées par exemple à des aides se mettent en place aussi. Et on voit le décalage avec les trajectoires hein, de baisse de l'ordre d'un quart à moitié, compatible avec une limitation du réchauffement sous 2 degrés, voire proche de 1,5 degré. Ce que les connaissances aujourd'hui montrent, c'est qu'en fait, en jouant sur 3 grands leviers d'action, que je caricature un peu, en disant il y a un levier d'innovation technologique, il y a un levier de maîtrise de la demande, efficacité, sobriété, et puis il y a un levier de solutions qui s'appuient sur les écosystèmes, leur capacité à stocker du carbone, on a un potentiel technique pour à peu près diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Et l'enjeu, c'est d'arriver à mobiliser les financements, à mobiliser la volonté collective, en fait, hein, citoyenne, politique, pour que ces transformations puissent être mises en œuvre. Donc, dans les rapports du GIEC, vous n'avez pas la feuille de route, vous n'avez pas le guide de ce qu'il faut faire dans un contexte donné. Bien sûr, ça, c'est à construire collectivement. Ce que vous avez juste, c'est une évaluation par grands secteurs d'activité, système énergétique, l'utilisation des terres, l'eau, le système alimentaire. Quels sont les grands leviers d'action disponibles pour renforcer l'adaptation, la résilience ? Et puis à côté, quels sont les grands leviers d'action qui ont été identifiés, qui peuvent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre ? La taille de la barre dans le monde, c'est une estimation du potentiel. Et le code de couleur, c'est une estimation du coût, en fait. Pour le coût de l'adaptation, on manque d'études, en fait, de données, de ressources, hein. Et c'est pour ça que c'est pas reflété de la même manière. Donc, ce que vous voyez, c'est que dans le secteur énergétique, le captage et stockage du carbone fossile, qui est très mis en avant par les producteurs d'énergie fossile, il y a un potentiel technique qu'on estime assez limité, avec un coût relativement élevé. Et ça ne se matérialise pas à hauteur des promesses hein, qui ont été mises sur la table. Donc le potentiel le plus fort évalué, c'est celui sur les énergies renouvelables dans le monde, le fait d'éviter les émissions fugitives liées aux énergies fossiles,
tout ce qui est production de chaleur ou d'électricité à partir de sources renouvelables ou bas carbone comme le nucléaire. Sachant que pour la partie nucléaire, vous avez certainement vu qu'il y a eu un engagement d'une vingtaine de pays à la COP28, mais à horizon 2050, que ça n'a pas été intégré dans les décisions formelles de la COP, et donc c'est difficile de chiffrer ce que ça peut permettre de faire. Quand on regarde le secteur des terres, ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien sûr beaucoup de solutions qui portent sur des pratiques d'agroécologie dans les deux sens. Dans la décision de la COP28, ce qui a été privilégié, c'est la mention d'une production régénératrice, un vocabulaire qui a été poussé par le secteur de l'agro-industrie et l'administration Biden, sachant qu'il n'y a pas une définition claire de ce que cela peut être, alors que sur les pratiques d'agroécologie, il y a un cadre scientifique qui est plus formellement établi. Ce qu'on voit aussi, c'est les leviers d'action qui portent sur la demande, par exemple les choix en termes de pratiques alimentaires. Et là, vous voyez en fait le résultat de l'approbation des rapports du GIEC, où au début, on montrait une alimentation avec plus végétale, moins de protéines animales quand on en mange trop. Ce n'était pas acceptable pour les pays d'Amérique du Sud exportateurs de viande. Donc on a cette formulation qui est acceptable, mais qui est moins explicite sur les leviers d'action les plus importants. Donc on a bien sûr des analyses similaires pour les villes, l'urbanisme résilient dans un climat qui se réchauffe, les leviers d'action dans le secteur de la mobilité, du bâtiment, donc les infrastructures urbaines. Et là, ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a pas une solution univoque qui s'esquisse, mais il y a un ensemble de leviers d'action, l'efficacité des véhicules, les transports en commun, les mobilités actives, l'électrification des mobilités de manière multiple. Et puis, ce qu'on voit également, c'est qu'à court terme, dans le secteur de l'industrie, c'est beaucoup les leviers d'action d'économie circulaire et d'efficacité, parce qu'on a besoin d'un effort de recherche, de développement, pour chercher les ruptures pour l'industrie lourde, qui seront avec d'autres vecteurs, hydrogène, autres, pareil pour le transport maritime ou aérien. Donc là, le potentiel, il est limité à court terme, parce qu'il y a besoin de cet effort maintenant pour pouvoir débloquer des secteurs difficiles à décarboner et le faire dans la décennie qui suivra. Donc ça, c'est le volet, on va dire, secteur par secteur, avec toute une dimension sociale, notamment par rapport au système de santé, au filet de protection sociale, qui joue un rôle important pour la résilience dans la société, pour ne laisser personne derrière, face notamment à l'aggravation des pertes et des dommages dans un climat qui se réchauffe. Donc ça, c'est le potentiel, et après, tout l'enjeu, c'est la mise en œuvre réelle. Et pour moi, ce qui est important, c'est on sait ce qui fonctionne, on connaît les effets positifs, par exemple, améliorer la qualité de l'air, une activité économique qui est pilotée par des investissements et pas seulement par la surconsommation de produits à faible qualité. Donc, macroéconomiquement, il y a des choses qui sont vraiment viables. On sait ce qu'on peut gagner en termes de qualité de vie, en termes de bénéfices, par exemple, pour la stabilisation des revenus des agriculteurs, un exemple important. Mais l'enjeu, c'est d'arriver à avoir une mise en œuvre opérationnelle soutenue par la société dans chaque secteur. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'empreinte carbone, l'exercice qui avait été fait en comparant différents aspects. Il ne faut pas oublier, en fait, que le focus sur les choix individuels, il a été fortement promu par les acteurs des énergies fossiles pour faire reporter la responsabilité sur les choix individuels et masquer l'enjeu des actions collectives, structurantes, des projets de société, l'importance du cadre fiscal, du cadre réglementaire et des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Donc, je précise juste ça, mais on estime en fait que l'empreinte carbone en France, quand on tient compte du commerce mondial, en fait, elle est autour de 9 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Et un des aspects pour lequel on a le plus de mal à le chiffrer, c'est l'effet des changements d'utilisation des terres liés aux importations de produits agricoles dans d'autres régions du monde. Déforestation importée, on commence à avoir des éléments pour le chiffrer, mais les changements d'utilisation des terres, c'est pas évident. Et dans la construction de la planification écologique, c'est vraiment très frappant. Là où les choses ont du mal à boucler aujourd'hui, c'est sur la biomasse. On veut préserver les écosystèmes, des forêts viables, des écosystèmes vivants, stocker du carbone, mais aussi utiliser beaucoup cette biomasse, agricole ou forestière, en substitution pour l'énergie, pour les matériaux. Et en fait, on voit qu'on a du mal à boucler sur les ressources en biomasse. Donc ça va être un sujet de tension croissant sur les pratiques dans chaque territoire, mais aussi sur les échanges internationaux, notamment de biomasse. Donc, sur la partie empreinte carbone, l'enjeu, en fait, c'est pas les choix individuels, mais c'est comment on construit des stratégies
qui rendent accessibles les styles de vie bas carbone et accessibles quels que soient les revenus des personnes. Donc c'est vraiment des politiques publiques dont on parle, qui permettent d'éviter, par exemple, des déplacements par avion particulièrement, qui permettent de remplacer certaines pratiques par d'autres, avec parfois d'autres bénéfices, et qui permettent d'améliorer l'existant, par exemple, pour le chauffage ou les véhicules. Et ce volet-là, c'est 40 à 70% de la marge de manœuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde d'ici à 2050, avec des enjeux très importants de transition juste, c'est-à-dire tenant compte des dimensions sociales et économiques, des besoins de reconversion associés aux transformations à apporter, et aussi, je pense, en s'appuyant davantage sur ce qu'on peut gagner en termes de qualité de vie, en termes de santé, sur ces différentes pratiques. Le côté moral d'agir pour le climat, ça mobilise qu'une fraction en fait, des gens, mais les bénéfices qu'on peut en ressortir, ne serait-ce que maîtriser sa consommation énergétique, par exemple, ils sont également importants et motivants. Et donc, le point important qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il est possible d'assurer un avenir qui soit soutenable en construisant un développement résilient face au climat vers la neutralité carbone. Mais ça demande aussi d'être extrêmement intelligent dans la manière de déployer les leviers d'action pour le climat. Chaque option que je montrais tout à l'heure, elle peut avoir des co-bénéfices, mais aussi des effets indésirables. Certains leviers d'action pour le climat peuvent être néfastes pour les écosystèmes ou la biodiversité. Certains peuvent risquer d'exacerber les situations de précarité. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à mettre en cohérence la réduction des émissions, l'adaptation, en tenant compte des vulnérabilités, les objectifs que les sociétés se donnent, les objectifs de développement soutenable, qui ne sont pas les mêmes selon les régions, selon les contextes. Et puis ce qu'on voit également, c'est que chaque situation de crise, de choc, ils sont nombreux en ce moment, ça peut être aussi, après coup, quelque chose qui va conduire à verrouiller les pratiques existantes, des émissions élevées, des vulnérabilités et donc des risques qui ne vont faire qu'augmenter. Mais parfois, les chocs ou les crises, ça peut être aussi des moments d'inflexion où on va mettre le curseur vers cette réduction des émissions, parfois avec des enjeux de souveraineté. La réduction, l'expérience d'événements extrêmes, ça peut être aussi l'occasion de reconstruire mieux, par exemple, en intégrant d'être plus résilient dans un climat futur. Et je pense que c'est important d'avoir cette espèce de grille d'analyse sur l'ensemble des décisions et des investissements qui peuvent être faits. Donc si on reprend ce que je disais tout à l'heure, la situation sur laquelle on est, donc les politiques publiques avant la COP28, les réductions supplémentaires, notamment le paquet efficacité énergétique renouvelable, qui est l'engagement le plus important pris à la COP28, ça permettrait, si c'est vraiment mis en œuvre, d'éviter à peu près 10% des émissions du secteur de l'énergie. Et donc, vous voyez que ça permet un petit peu de réduire le décalage par rapport aux trajectoires vers la neutralité carbone autour de 2050, la barre en vert, mais le décalage reste encore important. Et donc, vers quoi on va ? Avant l'accord de Paris sur le climat, on allait vers un réchauffement de plus de 3 degrés, on ne pouvait pas exclure 4, en fait, hein. Sur les politiques publiques actuellement mises en œuvre, la meilleure estimation, c'est qu'on irait vers un réchauffement de 2,5 degrés à 3 degrés en fin de siècle. Si les cibles 2050 sont mises en œuvre, on pourrait le limiter autour de 2,5 degrés au niveau planétaire. Si les objectifs déjà actés dans des décisions à plus long terme se réalisent, on pourrait le limiter plus proche de 2 degrés et une lecture très optimiste de toutes les promesses parfois très creuses pourrait permettre de limiter le réchauffement sous 2 degrés. Et ça va dépendre, en fait, de ce qui est fait concrètement partout dans le monde pour tenir les engagements, pour aller au-delà, pour s'appuyer sur tous les leviers d'action qui sont disponibles. Et je termine sur la France. Donc l'empreinte carbone de la France avec les importations, elle est plus élevée que les émissions territoriales. Elle diminue lentement. On a l'effet pandémie et rebond, que vous voyez en pointillé. Sur les émissions sur le territoire national, vous voyez qu'elles continuent à diminuer. 2,7% de moins en 2022, 4,6% de moins en 2023, mais des effets qui sont encore conjoncturels, l'effet du prix de l'énergie, la disponibilité de la production électrique bas carbone, mais des choses intéressantes comme la fin du rebond du transport routier, avec le début d'une
petite baisse, c'est le premier secteur émetteur, et avec une préoccupation avec la forte hausse des émissions du secteur aérien. Et puis quand vous regardez les émissions nettes, vous voyez qu'en fait elles diminuent moins, notamment parce que avec l'augmentation de la mortalité des arbres, des dépérissements de forêts, l'accroissement des forêts s'est ralenti. Donc on a perdu en fait sur l'efficacité de la réponse de ce puits de carbone. Et du coup, ça va rendre difficile de tenir les budgets carbone pour la période la plus récente. En plus, si on tient compte des incendies et leurs effets sur les flux de CO2 2022, ça risque de rendre difficile le fait de tenir les budgets carbone. Et donc, je termine en fait en disant que voilà, on est sur des situations où on a des actions qui peuvent porter leurs fruits. Il ne faut pas faire croire que les baisses récentes vont par elles-mêmes s'auto-entretenir. On a besoin d'agir dans tous les secteurs d'activité. On rentre dans le dur, en fait, parce que les choses, les gains faciles ont été faits. Donc là, on va rentrer dans des choses qui vont être plus structurantes. On va rentrer aussi dans des tensions, des rapports de force qui sont évidents partout, dans tous les pays du monde, même à côté de chez nous, en Allemagne, en ce moment. Et donc, il y a cette question d'avoir, de mobiliser toutes les forces de la société pour construire des stratégies d'action qui soient engageantes, qui soient intelligentes, positives en termes d'emploi, par exemple, de sorte à pouvoir limiter les risques climatiques et chacun d'entre nous faire sa part. Voilà, c'était le potentiel qui est important à mobiliser pour justement agir. Merci beaucoup Valérie, je pense qu'on peut l'applaudir. Vraiment un immense merci, surtout d'avoir joué ce jeu de Retour vers le futur version grenobloise. C'était vraiment agréable de Donc en fait, on repart en 2050, on est à la neutralité carbone, le réchauffement est sous 2 degrés, on a construit une économie viable, moins dépendante des énergies fossiles, on a construit des emplois qui ont du sens. C'est important ce côté-là. Dans quoi on se projette, si on avance et si on peut réussir aussi. Merci encore. Je pense qu'on peut l'applaudir à nouveau parce que c'était... C'était un bel effort et voilà, nous t'en remercions tous. On va passer au temps de questions-réponses. On va essayer de distribuer les questions de façon homogène. Donc, si vous avez une question, vous avez juste à lever la main et on va essayer de passer dans les rangs au mieux qu'on puisse le faire. Alors, il y en a une là-bas. Monsieur, attends, je vais te donner. Ah oui, juste, on n'a pas spécifié, mais les questions, on voudrait, questions courtes, succinctes, essayer de faire le plus rapidement possible pour que beaucoup de gens puissent en poser. Donc voilà, essayez que ça tienne en quelques secondes. Merci beaucoup. Merci pour cette conférence. J'ai juste une question, quand, un peu personnelle, quand un lobbyiste, un patron de grande compagnie pétrolière vient démonter les travaux du GIEC, on peut se dire d'accord, c'est normal, c'est son métier, il est fou, mais il est payé pour ça. Quand c'est un scientifique qui vient le faire, comme et un scientifique qui peut avoir un impact plus ou moins grand, comme l'a pu avoir Claude Allègre en son temps, quand il était plus ou moins écouté, est-ce que, de un, c'est plus dévastateur pour la communauté scientifique, et de deux, est-ce que c'est d'autant plus impactant au niveau personnel ? Alors en fait, moi je trouve que la situation a changé. À titre personnel, moi j'ai trouvé extrêmement dommageable que des scientifiques brillants dans leur domaine, largement reconnus, prennent en fait des postures par rapport parfois à leurs valeurs, à leur engagement politique, qui remettent en cause l'état des connaissances scientifiques dans d'autres domaines. Et ça souligne aussi, je pense, la responsabilité qu'on a, nous, scientifiques du domaine, étudiants qui travaillent sur ce domaine-là, pour être capables de rendre accessibles nos méthodes, nos résultats, pour des collègues d'autres disciplines. Je pense que ça, ce point-là, il est extrêmement important, en fait, hein, que ce soit pas perçu comme quelque chose de marginal, mais que, très largement, dans les autres disciplines scientifiques, on comprenne comment sont construites les sciences du climat de manière rigoureuse, transparente, faire en sorte de les partager le mieux possible. La chose à laquelle j'ai le plus de mal, moi, à faire face, c'est le cynisme.
Et c'est présent. Il n'y a plus, je trouve, en tout cas au niveau des entreprises d'énergie fossile ou des États les plus producteurs, une volonté de torpiller les travaux du GIEC et leur place publique, comme c'était le cas même en 2018 sur le rapport sur 1,5 degré à la COP24. On n'est plus dans cette situation-là. En fait, il y a un affichage de l'écoute sur le volet scientifique et derrière ça, il y a des discours qui vont être très rassuristes. Pas d'urgence, ce serait trop brutal de décarboner rapidement. Et je pense que vraiment, c'est la cible en ce moment, c'est saper cette perception de l'urgence, conserver les investissements, conserver le modèle économique le plus longtemps possible, donc encore une fois, gagner du temps. Et plus c'est insidieux, plus c'est difficile à contrer, en fait, ce terme d'approche cynique qui s'appuie sur des compétences fortes, juridiques, marketing, relations publiques, des enquêtes dans la société pour analyser quel discours fonctionne ou pas, et que nous, comme scientifiques, on n'a pas du tout comme ressort sur la manière de construire, la manière de rendre accessibles nos connaissances. Merci. On avait une question juste là-haut. Tout d'abord, merci pour votre intervention. Juste une question qui va être très rapide. Est-ce qu'il existe une corrélation étroite entre l'évolution de la population sur Terre et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ? Et est-ce que le fait d'essayer de réduire peut-être notre... Vu qu'on consomme beaucoup plus aujourd'hui, est-ce que réduire justement le nombre d'individus sur Terre et donc envisager peut-être des politiques de natalité, de réduction de natalité, est une voie à explorer, on va dire, justement pour essayer de limiter cet emballement du réchauffement climatique. Alors si vous voulez creuser ce sujet-là, il y a de très nombreux démographes qui sont de brillants spécialistes de ces questions-là et qui peuvent apporter des réponses approfondies. Donc moi, ce que je retiens de leurs travaux, donc d'abord, ce qui compte, c'est évidemment l'évolution de la population, mais aussi la structure de la consommation par personne, liée aux revenus par habitant, souvent, mais aussi au mix énergétique de chaque pays. Donc ça, c'est un point important à retenir. Et on sait que dans les endroits où, par exemple en Chine, il y a eu des politiques d'enfants uniques, l'émergence de classes moyennes a été associée à une consommation plus forte, et pas nécessairement à une maîtrise immédiate des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a des choses qui peuvent être contre-intuitives. Et moi, je suis aussi très inquiète de discours qui visent à faire porter sur l'accroissement démographique dans d'autres régions du monde la responsabilité par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Il faut être très clair. Il y a 10% des ménages dans le monde qui pèsent pour 40% des émissions, beaucoup dans les pays développés. La moitié de la population mondiale, c'est moins de 15% des émissions, dans des contextes hautement vulnérables, avec un manque de services de base. D'où les enjeux de coopération, de rendre accessibles les technologies les plus performantes le plus rapidement possible et de débloquer des investissements pour que ça puisse être mis en œuvre. Et sur la partie politique publique nataliste, c'est toujours intéressant de lire les travaux des démographes qui montrent que la natalité baisse. La natalité baisse parce que les femmes n'ont pas forcément envie d'avoir plein d'enfants quand elles ont accès à des outils de planning familial. Les conditions liées à la natalité, c'est le partage du travail dans les familles, c'est les conditions pour l'emploi des femmes, c'est les conditions de garde des jeunes enfants. Et donc, c'est des questions de société profondes. Et la dernière chose, c'est comment on peut aussi intégrer, je pense, plutôt que des politiques natalistes ou pas, des visions assez féministes de la manière dont on pense l'action pour le climat partout dans le monde. Il y a des dimensions de vulnérabilité importantes qui touchent particulièrement les femmes âgées avec les vagues de chaleur, qui touchent particulièrement les femmes enceintes, les jeunes enfants, dans beaucoup de contextes. Et donc, je pense que dans les dimensions de vulnérabilité, mieux intégrer, par exemple, le genre et avoir une vision résolument féministe qu'on revendique dans l'action pour le climat, c'est pas mal plutôt que d'avoir des hommes, souvent, qui explique ce que devrait être la natalité. Ici, bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question qui vous fait revenir il y a un an et demi, quand vous avez présenté au gouvernement une présentation assez similaire, il me semble.
quelle a été au ministre leur réaction? Est-ce que vous avez été plutôt surpris dans le bon sens, dans le mauvais sens sur les connaissances actuelles? Et s'il y avait des processus décisionnels qui ont été décidés à la suite de cette formation? Et une deuxième question, j'enchaîne sur, on va dire, retour sur 2027 ou 2050. Si on arrive à avoir un président ou une présidente d'extrême dans une prochaine élection, éventuellement un Donald Trump climato-sceptique en France, comment réagiriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez de plus ou de moins? Et voilà. Merci. Ouais, c'est des questions de fond. Donc, sur le séminaire de rentrée gouvernementale, heureusement, c'est pas mon intervention à moi qui compte, c'est la manière dont les évaluations du Haut Conseil pour le climat, les travaux de toute la communauté scientifique dans chaque région, dans chaque secteur, les rapports du GIEC qui les reflètent, sont pris au sérieux ou pas, qui comptent pour moi, hein, et la manière dont on a une prise en compte en appui à la prise de décision. Donc, je ne dirais pas que ça a eu un effet spécifique, mais il y avait une volonté, c'est clair, hein, d'affichage politique avec un été 2022 marqué par des événements difficiles à gérer. Et donc, c'est aussi souvent l'occasion à laquelle on met en scène les scientifiques et l'écoute, comme quand on lance des plans climat, air, énergie territoriaux ou d'autres initiatives. C'est l'occasion souvent où on va mettre en scène le fait de s'appuyer sur le constat scientifique. Donc les choses pour moi qui étaient importantes, c'est notamment dans les recommandations que le Haut Conseil pour le climat avait faites, l'enjeu de planification écologique, la coordination interministérielle, le fait d'avoir des feuilles de route ministère par ministère, une meilleure articulation État-région, l'évaluation des projets de loi avant et après, ça commence à peine. Hein. Voilà, ça pour moi c'est les choses structurantes dont on voit qu'elles ont commencé pour certaines à se mettre en place. Et ça, c'est reflété dans les évaluations successives, notamment du Haut Conseil pour le climat. Après, donc moi, j'avais été témoin d'échanges sur les plans d'action qui étaient envisagés sur les mois suivants. On m'avait demandé mon avis et j'avais dit « mais ça, c'est pas à moi de donner un avis, c'est des choix politiques. On peut les mettre dans un contexte de connaissance, mais c'est autre chose. » Et je pense que là, on a besoin d'avoir des instances structurées de dialogue entre les spécialistes de chaque secteur et les décideurs politiques, pour faire en sorte que ce dialogue il ait lieu avant, pour construire les plans d'action, avant même parfois que les gens accèdent au pouvoir, pour que ce soit ancré dans une prise en compte des connaissances et qu'après ça puisse être opérationnalisé en fonction des choix qui sont faits. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que dans les réactions, moi j'ai été frappée que certains ministres ils sont vraiment en plein dedans, écologie, certains comprennent très bien puis agissent moins, agriculture, transition énergétique, finance, on voit que, affaires étrangères, on voit qu'il y a des choses qui sont vraiment prises à bras-le-corps, mais souvent dans les domaines plus régaliens, on voit qu'en fait, les ministres sont plus loin de ces sujets-là. Et par exemple, à l'époque, le ministre de l'Intérieur m'avait posé la question du lien avec les mouvements de population, c'est la seule question qui avait été posée. Donc on voit comment ça interagit avec certaines visions de risque, on va dire. Et après, donc, sur la question la montée en puissance de gouvernements d'extrême droite avec des approches très populistes, ce qui est vraiment frappant partout, Suède, Royaume-Uni, Australie, États-Unis, dans d'autres contextes, Brésil, hein, c'est qu'à chaque fois que c'est le cas, c'est associé à des reculs sur l'action environnementale. Et la difficulté, je pense, aujourd'hui, c'est beaucoup de gens sont perdus. Même quand on est touché par des événements extrêmes, on peut être perdu. Le sentiment de perte de repères. Et parfois, cette expérience-là, elle conduit à favoriser non pas la transition de fond qui va être longue à mettre en œuvre, mais des discours rassurants, populistes, qui vont chercher des boucs émissaires. Et ça, c'est un vrai défi. Dans le contexte d'inflation, un autre défi, c'est que ça laisse beaucoup de place à des discours qui vont dire « on va vous protéger d'une transition écologique trop brutale, on va vous aider à garder votre chauffage polluant, coûteux, votre voiture thermique polluante et coûteuse ». Et ça aussi, c'est un vrai défi, en fait, dans le contexte actuel. Et souvent, en fait, ce qui me frappe aussi dans les échanges que j'ai pu avoir, c'est que les électeurs de ces partis d'extrême droite en particulier, moi, je ne les vois pas. Il y en a beaucoup dans la commune où j'habite, mais ce n'est pas ceux qui viennent à des conférences comme celle-ci. Ce n'est pas ceux qu'on croise quand on est scientifique et qu'on essaie de se rendre disponible dans des cadres professionnels ou dans des cadres de réunions publiques. Et donc, ça pose la question de comment on crée des ponts plus larges avec l'ensemble de la société, y compris ceux qui se méfient de tout, qui se méfient des politiques, des journalistes, des scientifiques. Comment on fait dans ce contexte-là?
Et vous posiez la question de qu'est-ce que je ferais en 2027 si on avait un gouvernement d'extrême droite. Et la question que je me pose, c'est comment on peut faire avant? Comment est-ce qu'on peut faire avant collectivement? Comment est-ce qu'on peut faire pour montrer la contradiction profonde entre des discours de souveraineté nationale qui feraient persister une lourde dépendance par rapport aux pays producteurs d'énergie fossile qui ne partagent pas du tout les mêmes valeurs que nous? Et ce côté-là, je pense qu'il est vraiment préoccupant sur la manière dont collectivement on peut apporter, porter une parole autre et qui soit perçue comme une parole crédible. Merci pour cette présentation. J'ai aussi une question qui est un peu longue. Je suis là. vous parlez beaucoup des énergies qui sont décarbonées, des énergies fossiles, des voitures thermiques, mais pour pouvoir faire des énergies qui sont décarbonées, il faut beaucoup de métaux rares, de métaux lourds, et pour pouvoir extraire ces différents métaux, il faut beaucoup d'énergie fossile. Donc au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est vraiment compatible avec des énergies qui sont soi-disant décarbonées, alors qu'au final, elles ont quand même besoin de beaucoup de carbone pour être extraite, et en plus de ça, les exploitations minières notamment vont induire une forte pollution, ça va appauvrir les sols, et puis il y a d'autres enjeux aussi sociaux derrière. Voilà, je voulais savoir votre avis là-dedans et comment faire. Oui, donc là on a l'importance d'avoir de la transparence sur l'analyse en cycle de vie complet de chaque aspect. On a besoin d'avoir de la transparence sur les conditions de production et des exigences environnementales et sociales, mais vous avez raison, quand on a de nouvelles mines qui s'ouvrent, on a des effets irréversibles localement, c'est une évidence. Donc comment le faire le mieux possible? Comment faire en sorte que ce soit ancré dans des décisions collectives et pas que ce soit imposé? C'est un aspect qui est important. Et souvent, en fait, on a tendance à mettre l'accent sur les risques associés à de nouveaux développements, qui utilisent de nouveaux matériaux de manière plus importante, sans voir aujourd'hui ce qui est invisible dans l'action au quotidien, les émissions de gaz à effet de serre liées aux énergies fossiles qu'on ne voit pas nécessairement. Et l'exemple que je veux donner, c'est si on électrifie par exemple les mobilités en étant responsable, en faisant de la meilleure manière possible, en fait l'empreinte matériaux totale, elle va augmenter pour les batteries, mais dans l'ensemble, elle va énormément diminuer. La moitié du transport maritime dans le monde, c'est des énergies fossiles, il faut bien le voir. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est arriver à mettre les deux en regard, être très conscient des risques nouveaux induits par ces nouvelles solutions technologiques et mettre en place des systèmes de vérification de transparence exigeants pour s'assurer que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles, que ce soit en fait pas quelque chose qui va être imposé avec une partie des gens dans le monde qui n'en subiraient que les effets négatifs. Ce n'est pas une réponse simple. Bonjour madame, merci pour votre conférence. Moi j'avais une question, c'était un petit peu lié avec la question de tout à l'heure. C'était lié au fait que, est-ce que vous militez pour la formation scientifique justement des politiques, est-ce que vous pensez que c'est une question de justement que l'action elle est dirigée en fonction du parti politique qui est au pouvoir ou au gouvernement, ou alors que indépendamment de ce parti c'est important de former sur ces sujets-là, et étant donné qu'ils peuvent répondre à des lobbies, est-ce que vous pensez que c'est un effet placebo ou non? Merci. C'est pas une question simple. Donc moi, effectivement, je suis engagée pour que les connaissances scientifiques sur ces enjeux les plus récentes fassent partie du tronc commun de formation initiale, école, collège, lycée, formation des enseignants, formation à l'université dans toutes les filières, en fait, pour avoir des repères citoyens et des repères par rapport aux enjeux dans chaque secteur d'activité, formation continue, notamment pour ceux qui prennent de nouvelles fonctions après des élections. Je peux vous dire qu'ayant participé à certains espaces d'échange, c'est quand même parfois extrêmement frustrant de rencontrer des gens brillants, intelligents, dévoués, qui n'ont pas forcément pris le temps, au-delà de la lecture de la presse quotidienne, eux-mêmes de s'approprier les enjeux. Donc ce qui permet de le faire dans un cadre un peu collectif, avec un suivi, je pense que c'est important pour qu'il y ait une appropriation de ces connaissances. Et ce n'est pas simplement les politiques au sens élus ou partis politiques, mais je pense que c'est aussi tous les conseillers techniques,
tous ceux qui, dans les administrations publiques, sont amenés à avoir les compétences techniques pour porter les politiques publiques, qui peuvent être des partenaires de long terme, parce qu'ils restent en poste, en fait, ils acquièrent des compétences, et c'est ceux qui, lorsque le contexte politique est favorable, peuvent aussi aider à mettre en place des stratégies d'action qui soient efficaces. Et après, donc, est-ce que la formation, elle devrait être indépendante des partis politiques ? Bah, je pense, enfin, pour moi, c'est des éléments scientifiques factuels. Ça n'a pas d'étiquette, ça n'a pas d'idéologie. Donc, ça devrait être largement disponible. Par contre, ce qu'on voit dans l'offre politique, par contre, c'est qu'elle peine à intégrer les différentes dimensions que je soulignais. Et on voit bien, il y a une offre politique qui se construit sur les questions climat, où certains vont mettre l'accent sur la partie certaines technologies, d'autres vont mettre l'accent plus sur le côté inégalité ou solutions fondées sur la nature. Et on n'a pas quelque chose qui soit complètement équilibré. Parce qu'en fait, pour moi, tel que je le perçois, je suis physicienne, donc je m'excuse auprès des spécialistes de sciences politiques, mais l'offre politique, c'est un peu du marketing. Chaque parti essaie de se distinguer des autres, cible une partie de la population, les électeurs potentiels, et du coup, essaie de se distinguer plutôt que d'avoir une approche qui soit un peu fade, ou perçue comme un peu fade, parce que la plus ancrée sur ces aspects-là. Et c'est pour moi une grande frustration comme électrice, en particulier. Et du coup, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait plus d'émulation, c'est-à-dire qu'on prenne au sérieux dans tous les mouvements politiques ces questions-là, que les journalistes politiques soient davantage formés, politiques et économistes, et que du coup, on arrive à avoir des débats au moment des phases électorales sur les enjeux d'adaptation. Qu'est-ce que vous proposez ? Comment vous allez le mettre en œuvre ? Comment vous allez suivre l'efficacité ? Pareil sur les émissions de gaz à effet de serre et tout le reste. Qu'est-ce qui est proposé ? Qu'on puisse comparer la crédibilité des paroles qui sont tenues, par exemple. Bonsoir. Oui, je suis là. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment superbe et je pense que ça mériterait d'être très largement diffusé, en tout cas le plus largement possible. Je vais un peu mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que vous pensez que les trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, notamment les plus optimistes, elles sont compatibles avec l'économie de marché capitaliste, c'est-à-dire une économie centrée autour du profit ? Merci. Il faut poser la question à des économistes, en fait. Faut poser la question à des gens dont le métier est de réfléchir à l'organisation de la société. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que dans l'évaluation qui est reflétée dans les rapports du GIEC, les trajectoires qui permettent de limiter le réchauffement sous 2 degrés, donc une baisse de l'ordre d'un quart à horizon 2030, elles sont perçues comme macroéconomiquement positives. Donc, créer une activité piloté par de nouveaux investissements, de nouvelles opportunités économiques. Ça, c'est le résultat de certaines évaluations qui ont été faites, à condition que ce soit bien mis en œuvre. Enfin, voilà. Les trajectoires de très forte baisse d'émissions, une baisse de moitié d'ici 2030, c'est beaucoup plus disruptif. C'est beaucoup plus disruptif sur les secteurs les plus émetteurs, l'emploi, les pays qui en dépendent le plus. Et du coup, il n'y a pas une évaluation de ce type-là. Et après, ce qu'on n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à mettre à côté, c'est impossible en fait, les dommages évités par la suite par rapport aux risques, y compris sociaux, y compris économiques, de transition écologique extrêmement disruptive à court terme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est complexe dans la manière de voir la prise de décision. Et puis l'autre chose, il y a certains travaux, notamment dans le contexte français, qui sont vraiment intéressants. Le rapport Pisani-Mafous, par exemple, sur les politiques macroéconomiques d'ampleur qui seraient nécessaires pour la réalisation de la décarbonation en France, le montant des investissements à réorienter. Et là, on voit qu'on arrive à des choses qui sont à système actuel, qui montrent l'importance du pilotage public. Les sujets qui ne sont pas complètement abordés, c'est la mise en cohérence avec la fiscalité. C'est un sujet qui est important, même dans le fonctionnement actuel. Et après, moi, je ne suis pas une spécialiste, en fait, de l'organisation économique. Mais ce qui ressort assez nettement, c'est que si à chaque fois, on ne cherche que des gains à court terme, uniquement mesurés à l'angle de la croissance économique, ça ne fonctionnera pas. L'enjeu, c'est d'arriver à avoir une approche beaucoup plus profonde de qu'est-ce qui permet d'avoir des sociétés cohérentes, qui permettent aux gens de sortir de l'extrême pauvreté, tout en décarbonant profondément. Et la vision purement pilotée par le seul indicateur croissance économique ne fonctionne pas pour ça. D'où des réflexions, y compris académiques,
post-croissance, hein, qui se nourrissent, qui s'établissent et qui n'étaient pas disponibles dans l'évaluation du GIEC de 2023 que je présentais. Merci pour ces questions. On va continuer juste les personnes qui partent un petit peu avant. Pensez à laisser les cartons de vote sur vos tables qu'on puisse les récupérer. Bonsoir et merci pour bonsoir et bravo. Une simple question, c'est quels sont les moyens qu'a le GIEC d'influer sur le gouvernement? Moi, j'aimerais bien que vous veniez là-bas, que vous emportiez Jean Covici avec vous et que vous alliez les pousser du coude, parce que leur faire peur ou les raisonner, ça marche pas bien. Alors, qu'est-ce que vous avez comme moyen au GIEC de faire bouger les politiques? Donc moi, mon engagement pour superviser des rapports du GIEC, il est fini. Et le mandat explicite du GIEC, c'est d'être pertinent pour éclairer des choix ancrés de manière transparente, rigoureuse dans les connaissances scientifiques, non prescriptifs. Donc, je pense que la manière dont ces évaluations elles peuvent être utiles, c'est quand elles sont prises à bras-le-corps par la société civile comme un élément d'attente par rapport aux politiques publiques exprimées de manière claire. C'est aussi pertinent quand ça se décline avec les rapports du Haut Conseil Climat ou d'autres, propres à un contexte, et que ça peut être mobilisé, y compris dans le cadre juridique, hein, de recours, de contentieux, pour faire évoluer le cadre du droit et faire en sorte d'avoir un degré d'obligation plus fort pour le respect des engagements. Et cet aspect, moi, du droit, j'y suis extrêmement attachée, parce que c'est une des clés, en fait, de la gouvernance, de la vie démocratique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le cadre du droit, il n'est pas encore suffisant par rapport à de nombreux aspects liés aux politiques publiques et leurs conséquences environnementales. Voilà. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et après, donc, j'ai eu l'occasion d'échanger, après la réélection du président de la République, avec 10 experts climat qui avaient été invités, dont Jean-Marc Jancovici. Voilà, donc il était aussi présent. Mais par contre, cet échange, il était tardif. Dans un moment où, lors de la campagne présidentielle, les questions climat, elles avaient été mises sous le tapis, en fait, hein, et peu abordées, de sorte à ce que c'était peu structurant dans la réflexion qui a été proposée à un moment donné d'un choix électoral. Et j'espère vraiment que pour le contexte des élections européennes, ces questions-là, elles seront vraiment mises en avant. Parce que, finalement, le contexte européen, c'est un micro-modèle, hein, des difficultés à mettre en cohérence des actions différentes dans différents pays avec différents contextes. Le cadre du Green Deal européen, il est vraiment ambitieux. On voit qu'il y a beaucoup de tentations actuellement de le saper de multiples manières, notamment ce qui touche aux politiques liées à l'agriculture, hein, récemment. Et donc, l'importance de ce cadre européen, il ne faut pas le sous-estimer. C'est un sujet dont j'espère qu'il fera l'objet d'échanges, de délibérations lors de l'étape d'élection à venir. Merci. Alors, on avait plein de questions un petit peu là-bas. Ouais, on va aller voir. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais juste revenir vite fait sur le cycle de l'eau. Par quoi s'explique le paradoxe de l'intensification des pluies vers 2050 sur des zones plus arides, plus sèches, telles que l'Afrique? Alors, si on prend par exemple la mousson d'Afrique de l'Ouest, quand on regarde les facteurs qui vont l'affecter, on a des effets contradictoires. Quand on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça va augmenter la capacité de l'atmosphère à contenir de la vapeur d'eau et ça peut avoir un effet d'intensification sur les pluies de mousson. À l'inverse, les rejets de particules de pollution, elles ont un effet qui peut conduire à une diminution des pluies de mousson. Et quand vous vous souvenez peut-être des sécheresses majeures au Sahel dans les années 70-80, les émissions de particules polluantes en Europe du Nord et aux États-Unis ont joué un rôle important. Ces émissions ont été réduites, on a rajouté des gaz à effet de serre, ça contribue en fait à réintensifier la mousson d'Afrique de l'Ouest à l'exception de la partie la plus orientale. Et ensuite, il y a également une très forte variabilité naturelle qui affecte les pluies de mousson. Voilà. Donc, ça fait partie des processus à l'œuvre. Et sur les cartes que vous voyez tout à l'heure, dans certaines régions, vous voyez aujourd'hui assez sèches, une augmentation qui semblait importante. Alors, en valeur absolue, c'est une augmentation faible,
mais comme c'était représenté en pourcentage de la pluviométrie actuelle, ça donnait l'impression d'un signal fort. Donc c'était un biais qui est signalé par une petite note sur les figures, en fait. Bonsoir. Ça peut être dans certains cas une opportunité. Dans d'autres cas, ça peut être vraiment une difficulté pour arriver à gérer des décalages en fait, des saisons de mousson pour les pratiques agricoles et une augmentation des pluies records très compliquée sur le risque inondation. Ouais. Bonsoir. Moi, j'aurais besoin d'un boost d'optimisme. Et du coup, je me demandais en tant que chercheuse, pourquoi vous continuez avec le Haut Conseil pour le Climat, ce genre de choses. Vous avez un engagement assez important. Et donc, du coup, je me dis que vous devez avoir quand même des signaux qui vous donnent espoir de continuer là-dedans, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez les partager avec nous s'il y en a vraiment ou... Voilà, merci. Ben, votre présence, elle témoigne d'un intérêt fort dans la société. Moi, ce que j'ai noté depuis quelques années, notamment en Europe, c'est une prise au sérieux de ces questions dans le secteur, par exemple, des entreprises. De plus en plus, dans de nombreuses collectivités territoriales qui voient bien l'aggravation des dommages. Parfois, dans le secteur des investissements et de la finance, ce n'était pas le cas avant. J'étais récemment, ce que je le disais, je faisais une intervention à l'inspection générale des finances. C'est quand même le cœur, en fait, du suivi des investissements et des dépenses publiques. Et on voit des gens extrêmement compétents qui se forment sur les enjeux climat. La Cour des comptes, par exemple, qui va rendre un rapport approfondi sur l'adaptation, c'est la première fois, quelque chose qui est considéré comme essentiel hein, sur voilà, l'action de l'État, l'intérêt général. Je pense que c'est des signaux importants. Et c'est un travail de longue haleine qui a été fait collectivement par plein de scientifiques dans plein de régions, dans plein de secteurs. Créer les conditions de la confiance, rendre les choses compréhensibles, participer aux efforts de formation, les groupes régionaux d'experts qui, je pense, jouent vraiment un rôle important pour arriver à avoir des informations ancrées dans un territoire. Par contre, souvent, ce qui bloque, et on le voit aujourd'hui, hein, si vous voulez avoir des transformations profondes, ben, c'est des rapports de force. Il y a tous ceux qui ont intérêt au statu quo. Il y a des effets de verrouillage. Il y a des effets de perception de perte de privilèges aussi pour certains. Donc, on est sur des rapports de force dans la société et il faut être lucide hein, sur cet aspect-là. Tout le monde n'a pas le sens de l'intérêt général qui va guider les choix qui sont faits partout. Et du coup, je pense que c'est important de percevoir aussi le rôle qu'on peut avoir comme scientifique, de produire des connaissances, hein, c'est un point qui est important, de former les jeunes générations, on voit bien qu'ils peuvent avoir un engagement qui est important, qui s'interroge sur leur parcours professionnel. Et c'est aussi en fait quelle place on peut avoir dans la vie de la cité. Pas comme une force politique, mais dans la vie de la cité, comme scientifique, avec un angle particulier. Donc, je ne sais pas si vous voulez la bouffée d'optimiste, si c'est là, mais moi, je pense qu'on a besoin surtout de persévérance et d'action collective et d'espace collectif pour pouvoir débriefer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment on pourrait collectivement porter des choses. Parce qu'à l'échelle individuelle, le sentiment d'impuissance, il est énorme. La charge mentale, elle est écrasante, hein, il faut le dire. Et du coup, c'est comment faire en sorte d'avoir des espaces collectifs pour pouvoir construire la fierté d'agir, ce qui est un moteur très fort, en fait, hein, même si les avancées ne sont pas aussi rapides qu'on pourrait le souhaiter. Bonsoir. Ici. Merci beaucoup pour tout ce discours. Enfin, de toute façon, à chaque fois que vous expliquez tous ces sujets-là, je pense qu'il y a vraiment un élan, une motivation qui ressort du public. Et du coup, merci pour ça. Il me semble que, enfin, moi, ce que j'observe, et notamment à Grenoble, qui est une ville qui est peut-être où il y a quand même pas mal de monde qui se sentent peut-être un peu plus concernés que en France en général, mais il y a un élan de la population qui est qu'on voit notamment pendant les élections, mais aussi, moi j'observe quand même beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ces sujets-là, oui. Alors que c'est aujourd'hui de plus en plus facile d'avoir ces informations-là. Il y a des ateliers donc de sensibilisation. Je sais que vous êtes marraine d'un des ateliers assez connus sur le sujet, qui n'arrive pas à remplir les ateliers. Donc on a vraiment, enfin, des bénévoles qui se sentent parfois un peu démotivé par ce manque d'attrait pour ces informations-là. Et du coup,
et aussi dans les formations, on a l'impression qu'il y a quand même des informations qui ne sont pas intégrées aux formations. Enfin, moi, j'ai affaire à des jeunes adultes qui ressortent du système éducatif sans ces informations-là. Et comment faire, en fait? Comment on fait aujourd'hui pour aller plus loin? Oui, alors il y a ce que je décrivais tout à l'heure, puis après il y a d'autres dimensions qui jouent sur d'autres vecteurs que le côté rationnel éclairé par les connaissances. Il y a aussi le côté, la dimension sociale collective qui est importante, et notamment par exemple se percevoir comme acteur de transformation, pas spectateur passif ou victime de politiques publiques désagréables, mais comment on peut se percevoir comme étant soi-même acteur, et donc comment on crée aussi le retour d'expérience, ce qui a fonctionné, ce qui peut être inspirant, les pratiques qui ont changé, les opportunités qui en découlent. Et ce côté-là, je trouve, manque un peu. Le constat, il peut être paralysant. Le sentiment de vertige, quand on prend la mesure de ce qui reste à faire, il est important. Et donc, du coup, comment on peut aussi créer une espèce de dynamique, des études de cas, des retours d'expérience, quelqu'un qui se pose des questions, comment dans mon université je peux faire telle ou telle chose, qu'est-ce qui a été fait ailleurs sur cette thématique-là qu'on peut donner à voir pour aller plus vite, pour être plus efficace? Je pense que ce côté-là, il manque aussi. Et y compris sur des choses très grand public, télévision publique. On voit bien, on est sur des sujets compliqués, par exemple sur la rénovation thermique des bâtiments. Elles sont où les émissions de télévision publique bien faites qui disent « Voilà, ce projet a été porté dans cette copropriété, il a été porté de cette manière-là, c'est comme ça que le bouclage financier a été fait. Voilà ce qui a été fait concrètement, les bricoleurs qui savent faire des super trucs. Du coup, meilleur marché que quand on passe par des services d'entreprise. » Et puis la facture, ce qu'on permet d'éviter, etc. Ce côté-là, je pense qu'il est important et il est sous-exploité. Donc il y a des endroits, bien sûr, où c'est fait, où on voit des communautés en action. Mais je trouve que ce côté-là est quand même sous-exploité. Parce que souvent, le blocage, c'est qu'est-ce que je peux faire? Parfois, c'est si je fais quelque chose puis que ça se révèle être pas bon, ça paralyse, en fait. Donc le retour d'expérience des gens qui se sont lancés dans des actions structurantes, collectives, pas seulement individuelles, il est vraiment intéressant. Merci. On va prendre une dernière question. J'en avais une juste là. Donc déjà, merci beaucoup pour votre conférence. Je voulais vous poser moi une question. Aujourd'hui, donc pour la transition énergétique, une solution qu'on propose de plus en plus quand même, c'est le nucléaire, qui est quand même pas énormément polluant et pas énormément en bilan carbone, pas énorme. Mais ça pose un paradoxe par rapport à la consommation d'eau que vous aviez décrite précédemment comme assez critique. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette solution du nucléaire? Alors, mon employeur est le CEA. Donc, il peut y avoir une perception de conflit d'intérêts. En général, je ne m'exprime pas sur le sujet parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais par contre, il y a des chouettes ressources. Donc, il y a des ressources, ce que fait EDF, sur, par exemple, la résilience du fonctionnement des centrales nucléaires par rapport à l'utilisation, l'efficacité de l'utilisation de l'eau. C'est vraiment intéressant à regarder. Il y a aussi le rapport de la Cour des comptes sur les centrales nucléaires face à la montée du niveau de la mer, qui est intéressant à lire, sur ce qui a été pris en compte et puis ce qui pourrait être fait mieux. Il y a la réflexion sur comment on construit un mix énergétique avec un besoin d'électricité important pour se substituer aux autres usages. Qu'est-ce qu'on peut faire vite? C'est la montée en puissance des renouvelables. Comment ça s'articule avec une ligne de base décarbonée? En France, c'est nucléaire actuellement. Comment on le fait dans la meilleure manière possible? Voilà. Et ça, c'est des questions qui sont des questions de stratégie énergétique d'ensemble, avec des dimensions d'emploi, des dimensions économiques, des dimensions de souveraineté ou de dépendance à ceux qui savent produire les choses de base. Et puis, bien sûr, après, il y a le volet que vous soulignez, qui était celui de comment on pense ces systèmes énergétiques qui soient résilients. C'est-à-dire, vous avez remarqué, peut-être le nouveau nucléaire, il est plutôt positionné dans le nord de la France, parce qu'il y a une anticipation aussi, des situations de fleuves avec des étiages plus bas, plus contraints, avec des pratiques qui sont là, qui permettent de gérer l'existant, mais dont on sait bien qu'elles peuvent être plus délicates. Je crois qu'il y a eu un rapport sénatorial, il me semble, sur ce côté-là, qui était aussi intéressant à regarder. Il me semble. Enfin voilà, moi c'est ce que je lis. Donc cette question de se préparer à des vagues de chaleur à 50 degrés, se préparer à des étiages très bas dans certains secteurs, et ce ne sera pas des choses éclairs, c'est des choses qui se mettent en place sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Comment ça peut être anticipé? Bien sûr, c'est un point qui est très important. Et ces questions liées aux ressources en eau, c'est pas seulement pour le refroidissement des centrales nucléaires, c'est beaucoup d'infrastructures industrielles.
Je discutais avec les régions de la région Grand Est, où moi je suis née et où j'ai grandi, et ils essaient d'aligner leur politique environnementale et leur politique industrielle. Et dans la réflexion industrielle qui était menée, les questions qui revenaient en premier, c'est est-ce que vous nous assurez de l'approvisionnement en électricité bas carbone ? Quelles seront les ressources en biomasse ? Comment on va gérer le besoin de refroidissement ? Est-ce qu'il y aura des réseaux de froid ? Est-ce qu'il y aura d'autres solutions qui seront mises en œuvre ? Quelles sont les opportunités d'économie circulaire aussi ? Donc on voit bien que l'attente aussi des industriels change, et ce n'est pas seulement la question sur la partie nucléaire. La dépendance sur la ressource en eau, elle est aussi importante sur l'hydroélectricité, on l'a vu en 2022. Et du coup, c'est important de l'intégrer dans la réflexion de la résilience d'un système énergétique bas carbone. Et alors moi, je suis paléoclimatologue, donc du coup, ce qui est intéressant pour moi, c'est regarder pas seulement les projections climatiques, mais aussi les événements rares qui se sont produits dans le passé, vont se produire à l'avenir et pourraient conduire à des situations de stress. Par exemple, dans le travail de RTE, vous savez, qui essaie de rentrer un climat qui se réchauffe sur la réflexion sur le mix énergétique, notamment électrique, il n'y avait pas la prise en compte de ce qui pourrait se passer dans le futur, un climat plus chaud, si on avait une ou deux grosses éruptions volcaniques et des coups de froid temporaires. Et donc le fait d'être capable de regarder toute la plage des futurs possibles, les éventualités rares, probables, hein, rares, mais dont les impacts seraient importants sur la demande en énergie, c'est important de pouvoir les intégrer. Du coup, je pense que ça montre pourquoi on a besoin de mobiliser plein de perspectives différentes, par anticipation, le besoin de transparence, le besoin de mettre les éléments sur la table pour construire quelque chose qui soit le plus résilient possible. Merci Valérie pour cette réponse à toutes ces questions. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. J'espère que le retour vers le futur direction 2050 vous aura plu. Et puis, on se dit à une prochaine fois. Encore merci Valérie. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même une dernière fois. Merci beaucoup.